Et notre enfant ailleurs. Ah mais vous avez Ken. Ah mais c'est... Ah oh. Ah. Mais bah n'imagine pas que... Ah. Ah. Les grands quand ils s'entraînent. Vous avez pas d'oreiller. Putain. On a déjà eu cette discussion. C'est... Mais c'est pas là. À toi. On s'arrête. Random. Oh merde. Non, t'as pas osé. Brandon, tu réussis, c'est un ordre. Il se passe quoi? Jamais, je quitte les enfants, je m'en bats les couilles. C'est un ordre, si tu quittes les enfants, je te tue tout de suite. Je vais aller à l'esmidi, je balance tout. Je vais me rendre, c'est bon. Qu'est-ce que tu as? T'arrives quoi là? Non, non. Mission réussie. Relève-toi ou c'est moi qui... Non. T'as une mission à faire la semaine prochaine, alors relève-toi. Je peux pas. J'ai perdu mon âme. Tu veux que je te coupe la bite? Ça va mieux. Oh mais... Bah, non mais, voilà. Quoi. Non, c'est pas une fois qui s'est... Wow. Faites attention. Oh non. Ça, vous savez, c'est pas de refuge. Tenez, c'est un saucisson de taupe que j'ai fait moi-même. À quoi? Je trouve une chopinière. Ouais. Je mets de l'eau dedans ou de la bière en fonction de ce que j'ai, parce que la bière ça apporte un peu de goût. Et après, je suis obligé de sortir de la taupe et je les bute. Et après, je les égorge. Et après, je fais du saucisson avec. Et ça, c'est fait maison du coup avec amour. En vrai, c'est pas dégueu. Putain, mais. Ah, mais sinon, la vaisselle pas de Vanwood. Non, mais on va chercher un bidon d'essence, sinon on s'en branle. Non mais vas-y, le vanouille, c'est bon. Je vais prendre un bidon d'essence. Attention au feu rouge. Baisse le redjoch. Mais t'as le chicou de là. C'est pas que j'aime pas ce film de cul, mais l'introduction est un peu longue. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, ça va. Ah. Ah, avec de la latte. Ah ouais, bam. Cognard. Comment il a volé comme... Ça va mieux, je serre mes îles en place. Vas-y, si tu fais pas trop de trucs, tu te prends une balle dans la tête. Tu vois mon flingue là? Tu vois mon flingue sur sa tête? Oui, je le vois. Ouais, je le vois. Ah, monsieur, s'il vous plaît. Ouais, vas-y, monsieur, téléphone, donne-moi ton téléphone. Calme-le. Ah bah ça m'a parti, mec. Hein. Est-ce que je peux appeler ma maman, s'il vous plaît?
Non, il peut pas appeler ça. Non, t'as pas le droit. Regardez, monsieur. Est-ce que c'est par exemple c'est chelou ou pas? C'est une bombe avec ou c'est juste un turban? Il y a peut-être de la TNT dedans. Alors comment on fait maintenant? Comment on fait? Hein? Comment attends, je vais y aller, attends, attends, là tu vas te calmer maintenant. Vas-y, vas-y, moi je m'en fous, je meurs avec toi, moi. Je vais te tirer, moi, je vais te tirer. M'en fous, je tire. C'est soi, c'est soi. Mais si tu tires, elle explose, moi. Bah, je m'en fous, moi je suis capable. Et salut, est-ce que ça marche? Ça marche, tout marche bien. Nickel. Alors j'ai sûrement eu des messages déjà. Ok, Jessie qui sont là. Et on appelle. Waouh. Alors Jessie, Wyatt. No. Je sais plus qui. Ok. Allez, on va rattraper tout ça parce que là. Et salut tout le monde. Eh, привет, Nathan. T'es où? Là, on était parti faire une caisse avec Franck, mais c'est Franck qui était plus près, donc il est parti la faire. Ok. Bah, j'ai un blanchiment à voir et pour les radios aussi, ouais. Justement, le blanchi vient de me rappeler pour ça, donc je dis que t'allais pas tarder. C'est qui? C'est Wyatt qui t'a appelé? Non, c'est pas du choix, c'est James. Fini par 93-86, son numéro. Je sais pas si tu l'as. Ok, nickel, je l'appelle. Oui, allô. Ouais, salut, c'est Nathan des Misfits. Ça va? Ouais, ça va. Oui, ça va et toi? Ouais, nickel. T'es dispo là du coup? Ouais, je suis dispo. On une pause pour la thune qu'on. Ok, bah on t'envoie une pause dans une minute. Super, merci, ouais. Ça marche, à tout de suite. De quoi j'écoutais pas? Je dis, je m'arrête Bénise, il y avait personne à l'auto-exotique. Ok, pas de soucis, boy, m'envoie une pause dans une minute. Nia, t'as dit qu'elle était sous le pont? Je crois que la dernière fois, oui, c'est ce que j'avais comme problème, c'est que t'es sous le pont. Eh, salut. Salut, ça va ou quoi? Ouais, t'as. Ouais, c'est. Tu vois qui c'est ou pas au téléphone? Ouais, c'est bon, ouais, je vois qui c'est, ouais. Ok, dis-moi, est-ce que vous êtes dispo ce soir pour la livraison ou pas? Ouais, c'est bon, ouais, désolé, j'étais. Enfin, c'était compliqué ce dernier soir. Alors, on s'inquiétait un peu pour vous, hein. On se demandait si vous étiez pas arrivé quelque chose. Mais non, mais on a tous eu des problèmes un peu de tempête en ce moment. Ouais, les nuages toxiques qui arrêtaient pas de passer là, c'est bon. Ouais, c'est ça, et après ça fait bas, et puis j'ai pas eu le temps de vous prévenir que je pourrais pas être dispo. Bref, voilà. T'inquiète. Je sais pas, vers 22h30, 23h, tu seras là? Ouais, je serai là. Du coup, vous avez quoi? Vous avez pu comprendre quoi? Vous aviez commandé 5 toki, je crois. Je t'avais dit 5 ou 10 en fonction de ce que tu pouvais, c'est pour ça que je te demande 5 toki. Bah écoute, du coup. Bah 5 sur et peut-être 10. Faut que je vois ça avec avec le stock et mais c'est ouais, c'est et c'est 9000 si on a des c'est 9100 pièces électroniques et 8000 avec composants électroniques, c'est ça? C'est exactement ça. Ok, c'est bon pour moi, on s'appelle, enfin tu me rappelles quoi. Ouais, puis tu verras parce que le boss il a mis en place des nouveaux tarifs, ce sera pour les prochaines commandes donc tu verras tout ça, ok? Ouais, bien sûr, ouais. Ok, bah je te tiens au courant, ça marche. Ouais, salut, ouais. À tout à l'heure. Bah ok, vers 22h30, 23h, il y aura aussi un truc avec Jessie pour avoir des nouvelles radios. Ah ok, tu l'as vu parce que j'étais au téléphone avec lui là. Ouais, il venait de me rappeler. Par contre, rassurez-moi, on a 80 000 de sel ou pas? Oui, on a 260. Ah, nickel.
Est-ce que ça vous dit après je fais les rendez-vous et après on essaye les labos? Allô? Oh putain! Ah, tu m'as fait peur, nique ta mère, putain de merde! J'arrive! Ouais, viens avec moi, ouais! Hello, tu vas bien, Punk? Ouais, parfait, Nathan. Bon, c'est bon, Franck, tu t'en sors? Non, je vois rien, je vais rentrer là. Écoute, elle a peut-être chopé. Ouais, prends ta moto et. Mais j'ai pas, elle est pas là, on dirait que quelqu'un l'a pris. Ah putain, tu t'es sécouillé. Bah là, je viens d'aller voir carrément la plage, il y avait rien non plus. On va où? On va à Blanchibo. Ok. T'as été sérieux avec ton sac? Oui. Mais c'est le chat qui m'a offert. Je suis trop content qu'il me l'a offert. Mais putain, mais ça masque le cycle Bisuit Brother là, ça casse les couilles, putain. Je vois que t'es de bonne humeur, Nathan. Comment ça va, toi? Ouais, ça va, ça fait longtemps, ouais. Quoi de neuf, Punk? Ah, putain, il y a des trucs qui m'avaient pas manqué quand même. Hein. T'écoutes pas la musique? Tu mets même pas toi quand t'écoutes de la musique sur ta moto? Attends, parce que là t'écoutes de la musique là? Oui. Il y a de la musique là, il y a du gros métal sur ta moto. Non, j'écoute pas, j'entends pas la musique de la moto. C'est pas grave. On est que nous deux ou il y a d'autres personnes? Non, il y a d'autres personnes, mais ils sont en train de faire d'autres trucs là. Et les radios c'est encore illégal, j'imagine, donc on peut pas. Exactement, du coup il y a que votre canard. Il était sur le pont. Parking souterrain. Comment on fait pour le parking souterrain ici? Parking souterrain. C'est pas justement là. Ouais, ça a l'air d'avoir une gauche. Ouais. C'est un truc de fasciste ici, par contre, c'est des locaux du gouvernement. Ah ouais? Bah oui, il me semble que c'est très fonctionnel. Bah, note l'adresse et puis on dira le cramé tout à l'heure ou plus tard. Ok. Ouais, salut. Eh, bonsoir. Comment allez-vous? Bien et vous? Bon, ça va. Ça fait au moins deux ou trois jours qu'on essaie de vous contacter. Ouais, désolé, mais les tempêtes des derniers jours, ça a fait que voilà, et après j'ai pas pu prévenir que j'étais pas là, et après voilà. Ouais, c'est bon. Okay. Y a pas de souci. Après, c'est vos thunes, hein, c'est pas pour nous. Hein. J'espère que vous avez pu faire vos trucs de blanchisseur, genre investir en bourse et en tirer plein d'argent en attendant que nous on le récupère ou je sais pas quoi. Oh, t'inquiète pas pour nous. On fait pas. Ouais, ok. Mais... À qui c'est que je donne la mallette? À moi, ouais. Ah, ok. Et super, voilà, merci, ouais. Bah nickel, toujours clean. Avec plaisir. Allez, bah ça marche. Bah à la prochaine. Ah bah ouais, bah là je viens de me réveiller, du coup je sais pas trop si ça va mal. Mais a priori ça va pas mal, on m'a pas dit donc ça va. On t'a pas dit quoi? On m'a pas dit voilà. Donc c'est que tout va bien, ça s'est retourné. Ouais, c'est que en gros ça va, ok. Voilà, c'est ouais ça. Ouais. Ça signifie quoi? Ça veut dire que ça signifie que c'est la merde? Oui. Bah j'ai pas, genre t'imagines, t'arrives. Et quand c'est la merde, bah du coup les mecs à la radio en général ils font et du coup là c'est la merde, là ça va. Ok, ça marche. Ok. Allez, pas de soucis, allez, ma bonne soirée à vous. Ouais, salut, ouais. Allez, bon soirée, bon courage. Bientôt, ciao. Ah ouais? Ah bah cool. Bah tu veux que je t'envoie peut-être le lien du Discord, tout ça? C'est bon. Ouais, c'est bon, prospect. Oui, c'est bon. C'est Billy qui m'appelait pour savoir où on était. Ah bah elle aussi. Oui, elle vient de se réveiller. Eh bah putain. Elle a dit aussi salut à quelqu'un d'autre, donc je pense qu'on va être quelques-uns à se réveiller. Bah c'est bien ça. Ouais. Ouais non, comme tu disais à eux, les derniers jours ça a été compliqué un peu là. Ouais, j'ai l'impression, ouais, pour tout le monde, du coup... tout le monde s'inquiétait pour nous, mais bon, c'est juste que bah voilà. Ouais, du coup, je te file le Discord si ça t'intéresse, que tu puisses voir un peu l'ambiance et tout ça. Et après, bah, on laisse faire le RP. Hein. Ouais, parce que je t'avais envoyé un message, mais tu avais pas répondu, je crois. Ou alors, c'est bon, attends, je suis au squat. Ok, j'arrive aussi.
En plus, c'est cool parce que j'ai terminé le dessin pour le journal indépendant. Pour Billy. C'est bien ça. Ouais, mais j'ai mis un ouvrage hier soir. Bon, il va falloir par contre que j'aille au magasin acheter des crayons parce qu'ils ont plus d'encre. T'as plus d'encre dans tes crayons de couleur? Ouais, non, y'a plus d'encre, j'ai fait trop de dessins. Et peut-être que c'est parce que c'est pas des encres dans des crayons de couleur, connard. Mais c'est quoi d'abord? Bah, je sais pas, c'est de, genre des trucs durs mais de couleur. Ah, imbibé d'encre? Mais j'en sais rien, C'est un putain de hibou. Mais non, mais si tu tailles des crayons de couleur, c'est que t'as pas d'encre. Hein? Je comprends plus rien, mon dieu. Mais non, mais il veut remettre de l'encre dans ses crayons de couleur, je comprends rien, putain, il m'énerve. Quoi? Coffre. Mais voilà, ouais, si tu veux, je t'enverrai le lien, comme ça tu pourras voir tous les trucs qu'on a fait autour, tu pourras voir un peu l'ambiance, le lore du groupe et tout. Ça pourrait être intéressant, voir si ça te plaît et tout ça. Ah, voilà. Petit blanc de soleil. Ouais, salut. Ouais, elle était sur le pont finalement, cette fichue caisse. Putain, mais du coup, vraiment, il y a des fois. On revient, on va checker la fourrière. Ouais, aller voir sa moto, ouais. D'ailleurs, ouais, ça me fait penser, pour lui acheter une moto, toujours à Billy, si ça n'a pas été fait. Ah ouais, faudrait y penser, ouais. Je vais reposer la radio avec les caisses. Hein. Ouais. Alors, attends. Appeler GSI pour radio, ça devrait être beau. Livrer. Ah, la rue La Vraie, putain. Est-ce qu'on les a oui. Bah écoute, faudrait le faire, ce sera fait. Sinon je sens que demain ça va pas être fait. Par contre, il va falloir qu'on revende ou qu'on se démerde parce que là, si on fait ça et après on va tester le labo, mais on va venir multimillionnaire, on va avoir genre. Beaucoup trop d'argent, je suis d'accord. Non, un catal de cam, mais genre. vraiment. Oui. Tu vois, Picsou, bah on fera pareil, mais avec. Oui, avec de la drogue, putain, ouais. On va c'est mon rêve. Et si on peut faire une piscine de coque ou de... Moi, ça me dérange pas. Hein. Une piscine à cam, comme ça, tu mets un peu de tout. C'est ça. En fonction de ce qui rentre dans ta peau, t'as gagné ou t'as perdu. Ouais, par contre, je suis pas fan de plonger dans des seringues, moi. Ouais, ça fait un peu autant de la poudre, je dis pas, mais alors des seringues, bof. Un petit bassin à l'héroïne, un grand bain à la cocaïne. Et le pédiluve, ça serait jacuzzi. Le pédiluve, ça serait la peu. Non, ce serait la LSD, parce que c'est un plan trop, t'es trop perché après. Non, la weed, moi je pense que ce serait le sauna, pour avoir plein de bonnes épreuves. Ouais, j'avoue. Ah, oui. Bon, attends, je cherche le numéro de la rue d'Avray, là. Clac, clac. Bah, moi, il a essayé de m'appeler il y a deux jours, mais j'ai rappelé hier soir, et il n'a pas décroché. Bah écoute, on va tenter là. Ah bah oui. On se n'attache bizarrement, les gens ils aiment bien répondre, je sais pas pourquoi. Bonjour. Non, là ça change. Il est pas là. Ouais. Et mais je te jure, quand je me suis réveillé, j'ai vu. C'est vrai que j'avais lancé plein de trucs, j'avais pas prévu qu'il y ait autant de tempêtes, du coup voilà. Et je vous jure, hein, c'est genre. J'avais. J'ai six, je vais avoir une dizaine d'appels en absence, je me suis dit, oh putain. Ouais, il va falloir embaucher une secrétaire. Présente. Ah bah c'est juste, on n'était pas là. Ok. On a d'autres numéros de la rue La Vraie ou pas? Moi j'ai que Daryl. Moi j'ai Daryl. Ouais, Lily, te ferme ta gueule, ouais. Je regarde, je vérifie, mais il me semble. J'en ai un autre. Pardon, mon chat qui fait drama queen. Ouais, voilà ça, et puis... est-ce que vous avez été récolté aujourd'hui? J'ai Vassili. Moi, j'ai fait toutes les récoltes aujourd'hui, oui. Okay. Tu peux essayer Vassili. Bon, 255. 509. Attends. Ouais. Vas-y. 255, 509. 70. 98.
On a combien de câbles? On a 10 000 ou 15 000 là? Je sais plus, je vais te dire. Quelqu'un peut aller voir. Comment qu'il va bien, Tipol? Mais oui, ça va toi? Bah, ça va bien. Attends, je vois un message pour le journal indépendant, Billy. Ah bah ouais, ça va, t'as bien fait ma petite recette. Ouais, c'est super, merci. Bon, on en a presque 17. Place, ouais, bah c'est je la mettrai dans le prochain, je pense, numéro qui sera genre sur la cuisine, un truc comme ça. Je veux faire, ouais, du cuisine. Coup, tu veux d'autres recettes pour en avoir un stock? Est-ce qu'il y en a qui ont été au point de récolte ou pas? Moi, oui. Non, mais qui ont dit qu'ils sont déjà allés? Bah, avec Franck, oui. Ouais. Okay, aujourd'hui oui. Non. Ah mais il a pas fait de nouveau aussi, Tipol. Je pense pas. Tu parles de quel point de récolte? Tu parles de point de récolte pourquoi, Tipol? Pour à le côté sag. Du ouais le sag. Ok, non c'est pas ça. Pour la cocaïde. Non d'abord. Ce que je vous propose, ça va pas être bon. Pour vrai, ça peut être sympa, ça va être chill. Hein. Qu'on aille récolter tous ensemble et qu'après on aille tester un peu voir comment on peut transformer ça. Allez. Ça roule. Et après on pètera des culs. Non, avant il faut pas qu'on fasse de trois trucs quand même. Faut faire quoi? T'as pas dit qu'on avait rendez-vous avec pour aller chercher deux trois trucs là? 22h30, 23h. Pour ça on a le temps. Au pire on y va à deux bateaux comme ça si jamais je dois faire attention. Que ce soit Nora ou l'autre. Bah Nora, je vais le faire. Ah, tu l'as déjà fait? Ah, pardon. Bah ouais, attends, efficacité, hein ouais. Putain, grave, attends, je te connaissais pas aussi rapide, hein. Ouais, je sais pas, mais à peine réveillé, on m'a appelé de partout, je vais, ouais, c'est bon, je suis là, allez, c'est bon, vas-y. Allez, okay. Ok, bah allez, on va aller récolter, par contre, bah du coup, Franck vient pas avec nous s'il a déjà fait. Ou il fait l'héroïne. T'as peut-être fait les deux, d'ailleurs. J'ai déjà fait les deux, enfin, alors, j'ai fait trois même aujourd'hui. Par contre, tu peux faire l'aller-retour au bateau. Ouais, ça je peux. Je peux délester quelqu'un, ouais. Ça peut être pas con, ça. Comme ça, tu restes avec nous. Oui. Eh ben, ça roule. Bon, je prends passer... sur le van. Par contre, on peut passer à 5 sur... On va prendre les deux bateaux. On va prendre celui des Paoli. Tu crois qu'ils les ont laissés? Bah, on va voir. Je me prends une radio ou pas du tout? Toi, dans Franck... C'est okay. Pas la peine, je pense. Franck, par contre, c'est la peine. Attends, c'est toujours toi qui a les clés du speeder de V2. Non. Pourquoi? Ils y sont plus? Je sais pas qui. Ah oui, faut que je prenne de la thune vite fait pour aller payer une facture. J'ai une clé du bateau 1. Hein. Ouais, mais. Attends, c'est. C'est pas le speeder de V2, du coup, comme ça tu prendras le bateau 1, Nathan. Okay. Les clés, Nathan? De quoi? Ouais, j'ai les clés. Chacun prend de quoi boire, manger. Ouais, ça c'est bon. Ouais, et bien se vider les poches. Et en vrai, je pense que tout le monde peut prendre une radio là, vu qu'on va rien faire de dangereux, ça permettra juste de communiquer ensemble. Après, moi j'ai un peu à bouffer, un peu à boire, mais sinon, sur moi, bon, ça va, je peux prendre 55 kilos. Bah, il y a 3 allers-retours à faire si tu arrives à avoir 60 kilos de place dans ton sac. Ouais, tout le monde, prend, une radio, tout le monde prend une radio et pour qu'on puisse communiquer ensemble. Comme okay. On va rien faire de risqué, ça sera plus sympa. On prend pas de la... Parce que moi, c'est la batte de baseball, j'ai l'impression qu'elle est lourde. On prend toujours une batte de baseball. Ça fait chier, mais il bon... Reste une, il reste une radio, c'est bon, je la prends. Putain, c'est quoi le numéro de la radio, déjà? 761. Ça roule. C'est bizarre que ça soit aussi lourd dans mes poches alors que j'ai rien. Ça va, ouais. Bisous la radio. C'est un sac. Radio. Je t'ai pas entendu sur la radio. Vas-y, essaye. Merde. Tu m'as dit combien? 761. Ah ouais, putain, je suis. Toi, tu m'as entendu, Nathan, ou pas? Je t'ai entendu. Ok. Donc, radio, à part ça, je prends autre chose? Non, c'est bon. C'est bon. Ouais, c'est nickel. Bon. On prend un seul camion, ça va suffire, je pense.
Au pire, on mettra dans nos sacs. Bah, je vais porter ma moto et je vais monter avec le camion. Moi, faut que je prenne la moto parce que si jamais je dois partir en rendez-vous rapidos. Pareil. Je prendrai le bateau A. Normalement, vous avez tous une clé du bateau A, non? Non, pas tous les clés, non. Faut qu'on prenne tous. Prenez au moins que quelqu'un prenne une clé du bateau A, comme ça. Vas-y, Billy. Ouais. Moi, je vais sortir le 4x4. Eh, привет, Дарин. À l'enfer. Ça va et toi? Vas-y. Ouais, pas t'inquiète, t'inquiète. Nous aussi, on est un peu. Pendant quelques jours, on a fait un peu de repos. Non, on devant. Oui, de 15 000. Attendez un peu, on va peut-être devoir charger. Pas de soucis. Elle est bonne la musique haïtienne qui joue en ce moment. 2250. T'inquiète. Alors on n'entend pas du tout la même chose, hein. Oh oui, prends ton temps, t'inquiète. D'ici une bonne demi-heure, facile. Oui, oui. Ok, pas de problème. A tout à l'heure. C'est pas tout de suite du coup? Ah non, non, c'était pour dans une heure. Ok. Vas-y, c'est ta mise en fumée, putain. Ah oui, c'est vrai. Tu vas où, Adia? Attends deux secondes parce qu'en plus là, j'ai un problème de téléphone. C'est on va au port. Au port lequel? Celui du bas ou celui du haut? Bah celui du bas, celui où on va habituellement pour les récoltes. Je t'avouerai que j'y suis jamais allé à celui-là. Bah attends, viens, suis-moi. Ouais. Pas doucement. Tu les balasses. Attends, on va faire demi-tour parce qu'en fait tu m'as... Ouais. Et y'a combien dans le coffre de dispo du véhicule? 530 livres. Et kilos, pardon. C'est ça que j'ai dit, 510 kilos. Ouais, c'est bon, j'ai compris, ouais. Bah on se divise en deux, il y en a qui montent avec moi, il y en a qui montent avec l'autre conducteur. Oh putain.
me noyer, putain merde. Ouais. On aurait peut-être dû prendre des bidons d'essence, hein, non? Avec nous. Mais pour quoi faire? Bah pour remplir, il est super bon au niveau d'essence. Non, non, il est plat. Ah, ok. Tu vas mal, Tipple. Tout le maquillage sur ce que t'as sur la gueule, ouais. Où j'ai le coucher de soleil, c'est tellement romantique, Nathan, tu trouves pas? Tu veux me toucher la bite? Non. Bah ben alors, calme-toi, putain! Mais non, mais. Puis, c'est interdit mais, dans le club, merde! Mais je sais, de toute façon, je veux pas le faire avec toi, ni avec ma soeur, merde! Non. Mais ça, on parle. Pourquoi ça vient même dans ta tête? Pourquoi tu parles de ta soeur tout de suite? Mais moi, je disais juste que c'était. T'as pas me toucher la bite, Tipple, hein? Non. Oh, mais attends, il faut que je ferme ma braquette, j'avais oublié de la fermer. C'est bon, elle est fermée! Oh putain! Il allait jouer à Star Wars avec sa sœur, putain! Oh non! Non! Elle est belle, sa sœur, mais pas à ce point-là. C'est le nord de l'Angleterre, hein! On est tous un peu cousins! Ouais, c'est ça, ouais! Ouah. Ça avance bien ton journal, du coup? Ouais, ça prend forme. Et du coup, pour je trouve ça vraiment beau. Pour les événements, du coup, on aura plus d'infos prochainement, je pense. Mais du coup, ouais, ça va pas être. Soit avant dimanche, c'est good, hein. Ouais, si c'est soit avant dimanche, soit de toute manière, ça sera pas cette semaine, ça sera la semaine d'après, donc voilà. Ok. T'as l'enfer, ça fait. J'arrête pas de les relancer pour avoir des véhicules, on en a pas, j'en ai plein le cul. Ok. Mais vraiment. Je kifferais acheter ma moto aussi. Ouais. Y a de l'argent dans le coffre, hein. Si tu vas demander au bison fumé, et bison fumé il dira oui ou non, c'est en fonction si tu as une moto bizarre. Mais je crois que tu voulais une gargouille. Ouais, un truc comme ça, ouais. Bah, tu te sers dans le coffre quand l'auto est ouvert et t'y vas, hein. Allez. Ouais, il est gros le bateau là-bas. Ouais, tu veux essayer d'aller dessus, Tipple? Ouais, pourquoi pas? Non, on va pas faire ça, ouais. On va pas faire ça, non. J'aimerais bien qu'un jour tu passes camarade quand même. Ouais. Ben, moi aussi, figure-toi. Et ben, tu vas pas sur le bateau alors. T'as été voir la psy d'ailleurs, Tipple? Ou t'as pas été voir finalement? Sur le porte-avions? Ben non, mais pas la psy du porte-avions, je te parle de la psy. Ah putain. La psy, quoi. Je regrette d'avoir dit que tu m'avais manqué, Tipple. Non, j'ai pas été voir la psy parce que. Bah, la psy, elle est inexistante en ce moment. Y'en a pas? Non, y'en a pas. Ok. Et bon, l'ancienne psy, elle était tout le temps maillot de bain, elle me faisait peur. C'est pas belle, ça. Parce que. Mais non, parce que Billy, elle me dit accepte jamais les bonbons de quelqu'un qui se met à poil devant toi. Puis, bah, ça me faisait peur, je voulais pas accepter ces bonbons, donc. Ouais, t'as bien fait, ouais. Elle t'a demandé des bonbons? Bah, elle voulait m'en donner. Elle me disait, oh, Tipple, t'as été sage, je vais te donner des bonbons, puis elle était en maillot de bain quasiment toute nue. J'ai dit non. Bah ouais, non, on fait pas, hein. Et le consentement, c'est important. Mais oui. Carrément. Puis, bon, parler à un psy, faut que ça soit un bon psy aussi. J'ai pas envie que ça soit une poucave. Tu vois, j'ai envie de quelqu'un que ça soit. Quelqu'un que j'apprécie quand même un peu. Alors, par contre, si tu vas voir un psy, tu lui parles pas de tout ce que tu vois. Ouais, mais non. Tu fermes ta gueule. Mais non, je sais. Tu sais ce qui est arrivé à Nikita? Oui. Tu disais Nikita pour pas qu'il répète ce qui a été dit voilà, pendant la séance. Oui, exactement, c'est ça que je voulais dire, mais je parle pas de tout. Je préviens, parce que j'ai pas envie d'avoir te mettre une balle dans mais la non, tête. Non, je comprends. Je sais que je suis pas le crayon le plus aiguisé du tiroir, mais ça, je sais. Ouais, le crayon le plus rempli d'encre, ouais. Ouais, le plus rempli d'encre, oui. Allez. C'est mon petit plaisir, j'avoue. Super. Et du coup, là, Tipple, ce que je vais te montrer, en fait, c'est ce qu'il faut faire quand tu peux, quand t'as de la disponibilité, tu vas faire ça. Ouais. Ok. Putain, casse-toi, Tipple, merde. Ah, il s'est branlé. J'ai la bière qui remonte. Ouais, attends. Eh, pas les bateaux, ouais. Ça va, fait de la mousse en plus. Ça va. Va vous venir sur les plans, putain, ça leur fera de l'engrais.
Ah ouais, d'accord. Surtout si t'as bu de la bière, ça leur fera du bien, ils auront une jolie feuille. Ouais. Bon, allez, petite randonnée. Allez, c'est parti. On est des tubes, on n'est pas des pots. Mais on a tout ce qu'il nous faut. Non, vous avez pas la rêve, je suis sûr derrière. J'ai pas entendu. Non, je disais genre, on est des tubes, on n'est pas des pots. Mais on a tout ce qu'il nous faut. Alors, je sais pas la suite, mais ça me dit quelque chose. Personne n'a la ref, mais. Non, mais c'est pas grave. C'est pas pour mettre un jacket Ouais. C'est pas à droite, ça, Nathan. Ah, putain. Oh bah je gueule hein, du coup. Hein. Ouais, pareil, hein. Au cas où on se perde, suivez pas ma voix. Barco. Polo. Polo. Faudrait qu'on fasse un cache-cache ici. Après, si on tombe sur les mecs avec les Kalachnikov, pas sûr d'aimer. Hein. Bah faut faire cache-cache avec eux aussi. C'est pas à gauche là-bas? Non, c'est tout droit là. Ok, putain, j'aurais pas vu ça là. Ils sont mauvais, c'est tout. Hein. Ils sont où même? Ils arrivent. Alors, Tipol, on aime pas en mode donné. Tu vois ton point de vie? Ah oui, c'est bon. Ah, tu peux le choper? Non! Ah, quel dingue! Putain, maman! Attendez, y'a des mecs à droite! Ah, ça? Oh, bah, ça? Bah, j'ai vu un mec traverser à droite! Vous avez parlé bois fort là, j'ai vu des mecs. Franck, t'es toujours là? Oui. Fais attention, Nathan a vu de loin quelqu'un. C'est bien pris. Je suis sur place, moi. T'as personne autour de toi? En bas, non. Par contre, faut regarder peut-être au-dessus, c'est en haut de la falaise. Va jeter un coup d'œil, du coup, côté vers la villa, là. Ok, bah, j'ai sympa là-bas. Genre, sur la, juste à, quand t'es face à la mer, tu vas sur la droite. Et dans ce coin-là, j'avais vu des mecs. Pas si loin, non, pas si loin. Remonte. Ah, je le vois pas, elle est où? Ah oui. Là, je vois personne. Est-ce que tu me vois quand je pointe du doigt? Attends, je vais zoomer avec mon téléphone. Ouais, ok, bah, je vais voir plus côté villa alors, ça marche. Enlevez vos casques, les prospects, vous êtes trop visibles. Tiens, ou pas? C'est là où je suis du coup. Après, t'es sûr que c'est pas moi que t'as vu? Parce que c'est par là que je suis passé, moi. Ah! C'est pas impossible. Ça allait dans l'autre sens ou ça allait dans le sens dans vers nous? Ça allait vers nous. Ah, bah oui, c'était lui là. Ah, c'était peut-être toi du coup, ouais. Eh, les prospects, venez au lieu de vous toucher la douille là. Au lieu de vous toucher la douille mutuellement entre frères et sœurs. C'est dégueulasse mais... d'ailleurs. Paul là.
Je sais pas, on va faire deux. T'es où, Tipple? Je suis Franck, là, je suis derrière lui. Mais venez ici, non, putain de merde! Mais viens avec nous! Mais oui, mais c'est ce que je fais. On est en train de revenir. Ok. Et pourquoi t'as commencé à suivre Franck et Tipple? Parce que je pensais que c'était toi de loin. Il va s'en prendre une. Ouch! Normal. Bon, moi, ce qu'il y a de avec Tipple, c'est qu'avec cette coiffure, il peut se mettre dans un buisson, personne ne le récupère. Eve, Franck, t'as combien de place sur toi du coup? Un petit 60 kilos. Ah, mais tu. Attends, tu peux récolter? Non, j'ai essayé, mais ça va pas. Ok, 60 kilos. Du coup. On est 4, du coup, dès qu'on est à 15 kilos, faut qu'on te donne des trucs, quoi. Ok. Ouais, donc on est donné par 150. C'est 150, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est 100 grammes le petit machin. Ok. Vous avez entendu tout le monde? Ouais. Et tu mettras en priorité dans le bateau A? Et on fera aussi pour l'héroïne ou on s'en tape? On s'en tape, hein. Ok. Là, franchement, on fait ça parce que ça va. Maintenant, ça va nous aider, ça va nous servir, mais bon, voilà quoi. Non, c'est pour savoir, hein. Moi je m'en fous, hein. C'est pour savoir. Après, l'héroïne, on va diminuer, on va récolter un peu de temps en temps histoire de brouiller les pistes, mais bon, voilà quoi. Là, déjà, je vois, on a 1000. L'héroïne, on en a encore combien là? Là, on va récupérer 2250, il nous en restait 350 dans le truc. Ah, c'est bien, on est jamais dans l'abus, nous. Bah non. jamais. Bah après l'héroïne ça part bien, ça se vend bien, les gens aiment ça, une petite picouse junkie, moi j'aime bien hein, aussi. Hein. Tu pourrais essayer un jour? Non toi c'est interdit toi. Oh. Bah tu fais ce que tu veux type là. Ouais, ordinateur. De quoi? Il voulait essayer l'héroïne. Ah ouais bah après il fait ce qu'il veut hein. Par contre, si tu commences à baver et tout, tu vas voir les médecins. Hein. Ouais, t'attends qu'on soit là avant de prendre ton héroïne parce que. Je serais capable de te la foutre dans l'œil. Ok. Ah, puis il serait capable de se noyer dans son vomi, ce connard. Ouais, je vais déjà ici. Je me suis déjà occupé dans ma soupe parce que je. Merci. Bah oui, voilà. C'est combien qu'on peut en récolter? C'est 700? Non, c'est... 1770. Ouais. Ah, c'est très... Ce que j'aime chez Franck, c'est l'exactitude. C'est ça. Il pourrait être suisse, un truc de malade. Franck, ça devrait être un comptable. C'est ça, un banquier suisse. Non. On peut aimer compter et ne pas aimer de capitaliste, hein. C'est pas incompatible. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais c'est pour ça, si t'aimes compter, du coup, t'es un comptable. Ah bah, oui. Parce que tu comptes. Un compteur d'eau ou d'électricité? Parce qu'il y en a un qui est plus facho que l'autre. Hein. Un compteur d'histoire. Un compteur de bagnole. Putain. Ah ouais, un compteur de moto, ouais. Ouais. T'as l'impression que tu me suis. On a une relation toxique, Adia. Tu me suis, je te suis. Moi d'abord. Tu tournes en rond en plus. Ça tourne en rond, ça va rien, je crois qu'il faudrait qu'on s'arrête là. Je demande le divorce. Putain, qu'est-ce qu'on va faire des gosses? Ah merde, ah, putain. C'est vrai, ah putain, non, petit. Je veux pas encore changer de foyer. Qu'est-ce qu'on va faire de Tipple, putain? Va falloir tout ça. Après, Tipple, on le met devant une machine à laver, normalement c'est l'hypnotiste pendant au moins 3 jours, donc. Après, est-ce que si on met de la drogue en plus dans ses céréales, est-ce que ça serait pas encore mieux? Le pourcentage de dans le but. Il y a pas de pourcentage à avoir, c'est 100%, non? Putain, il veut vouloir créer sa marque de céréales. Envie de crever. Froup Froup, c'est complètement, c'est Unilever, c'est gros capitalisme, attention. Putain, Adia, du coup, je suis partagé là, pour la manif, du coup, je vais reprendre le truc. Okay. Je suis partagé entre soit faire du frontal avec le LSPD genre devant le gouffre comme la dernière fois,
soit faire un peu genre manif sauvage, on se donne un lieu un peu au dernier moment, on se rejoint et puis le but c'est d'atteindre un endroit à pied. Ah ouais, pas mal, parce que comme ça tu peux splitter et tout. Tu peux splitter, tu peux péter des bagnoles parce que ça les perturbe. Ou soit tu... Moi je dirais tu commences au Gouv, tu leur fais des fucks et tu dis tous aux EMS à pied. Ouais mais non, faut bien aller au speedy, non Non mais les gens ils vont croire que ça va se passer comme la dernière fois au Gouv. Sauf que là on dit à tout le monde, bah ouais mais sauf que là c'était le point de ralliement, mais maintenant on va tous aux EMS. Ou alors, on fait des opérations escargot un peu partout, on fait un point de rendez-vous, des opérations escargot, et en passant, on détruit les stations-service, on tire dedans. Ah oui, ça me plaît par contre. Oui, ça c'est cool. Je suis partagé entre ces trois trucs, et les trois, elles ont des avantages, des inconvénients. La troisième, le principal inconvénient, c'est qu'on risque de terminer en taule pour attentat, mais... Déchiré, puis moi j'ai rien eu comme un marde. En vrai, par contre, on peut faire sous forme de la com la dernière fois devant le gouvernement, on se montre un peu plus agressif. Et par contre, dès que on prévoit, faut que je vois où le gouvernement, où est-ce que c'est par rapport genre au poste de police, aux EMS, tout ça, si c'est loin à pied. Et comme ça, dès qu'on voit que ça commence à être peine perdue, on se casse et on va péter d'autres trucs ailleurs. Et là, ils sont niqués. Alors, répète, excuse-moi, parce que j'avais un texto là. Globalement, genre on dit, on commence comme la dernière fois, genre tout ce gouvernement va manifester, bah. Dès que ça commence à partir en couille, on montre un peu les crocs, on se tape avec eux un peu. Et ouais. Dès qu'on voit qu'ils commencent à prendre le dessus, on commence à se casser et on va ailleurs. Genre comme ça, ils sont obligés de casser leur ligne. De toute façon, on sera obligé, hein. Surtout si on n'a rien. Mais en fait, ce qui fait chier, c'est que eux, leur putain de taser, il y a toujours ce truc qu'on peut pas les toucher. Il nous faut un truc pour les splitter, eux. On aura des fusées éclairantes, là, peut-être. Oui, mais en espérant que les fusées éclairantes, ça les fera dégager de la ligne, mais je suis pas sûr. Mais c'est pour moi, ça. Le seul truc que j'ai peur, c'est que du coup, ils en profitent pour nous charger, quoi. Si ça part Romani sauvage aléatoire, ils peuvent plus nous charger. On peut juste leur casser les couilles. Ils sont obligés de se rassembler entre eux comme ça, et après, ils vont rester là comme des connards pendant qu'on pourra tout péter. Moi aussi. Après, j'aime bien quand même l'idée de péter les stations-service, mais ça, à mon avis, ça sera le prochain stade, en fait. Je me demande si c'est pas un peu trop tout de suite. Oui, pas de suite, pour moi. Pour moi, déjà, c'est manif qui bouge, manif sauvage, manif guérilla, mais pas encore fait péter des trucs, tu vois. Ouais, c'est ça. Puis déjà que la veille, on aura déjà fait une rave, donc ils seront déjà peut-être un peu chauds. Ils ont déjà peut-être testé leur canon à eau, on sait pas. En plus... J'espère que le hangar, il arrivera à rester debout, d'ailleurs. Ouais, bah on va voir où est-ce qu'on... Faut que je joue avec Elsa, ce qu'il a prévu. Par contre, ça se récolte super vite. C'est très satisfaisant. Ah, oh, je sais pas, moi des fois c'est par une, ça commence. Ouais, mais des fois t'as des sacs. Quatre. C'est beaucoup plus rapide que la drogue, que l'héroïde. Ah ouais? Je sais pas. Héroïne, j'ai pas fait encore. Tout va bien pour toi, Franck? Ouais, j'arrive. Nous fais pas d'infarctus, hein? Il est vieux, il va bientôt crever. Ouais, il est foutu. Il va arriver, en plus on va le renvoyer là-bas. Je sais même pas combien j'en suis. Ah ouais, faut qu'il pas qu'il tarde parce que moi je suis bientôt pleine. Ah, parfait. Nickel, froid. Allez. Allez, on va y aller, toi, c'est bon. Allez. Allez, là, maintenant que je travaille mon cardio, bordel. Nickel, tu auras bon cardio pour la manif. Ah oui, c'est important. Ah putain. Ah, elle vient récupérer Nathan. Elle vient récupérer Billy. Oui, j'essaie de... Non, je vais le donner, mais...
Bah non, mais t'essaies de me donner 480 degrés. 150, ça me suffit. Hein. Ah merde, je suis trompé. Ouais, c'est pour ça, ça passe pas là. Non, c'est le max que tu peux te dire, que tu peux porter, Franck, ou tu peux en mettre encore un peu plus après? Un peu bien, merci, toi, Siba. Siba. Et si t'arrives. Quoi? De quoi est-ce pas Siba? Siba, merci. Allez, à tout de suite. Ouais, à tout de suite. Bon, reste que de se recroiser, hein. Putain, cassez-vous! Ah là là, putain! On était mieux sur notre petit roi, nous. Et vous voyez, les prospects, c'est tous les jours quand vous avez un peu de temps. Dès que c'est un peu calme, c'est bien de faire ça en fait. Après, si vous voyez d'autres personnes sur le champ, qu'on vous a pas dit qu'il y aurait d'autres personnes sur le champ, vous allez surtout pas les voir. Ok. On fait comme les témoins du vent, les aider. Vous essayez de les convertir peut-être à la cause, vous pouvez ça. Aussi. Mais non, lui dis pas parce qu'il va les reparler. Hein. Par contre, s'ils sont pas masqués ni rien, essaye de voir leur gueule quand même. Petite photo, ça fait toujours plaisir. Ok. Je pense qu'après, moi, je vais faire un aller-retour, hein, parce que c'est compliqué. Ouais, il va falloir faire un aller-retour. Et après, ce qui serait pas mal, c'est qu'une fois qu'on a tout ça, bah, on fait un aller-retour au labo. Hein. Ouais, après, y a les RLLV là, qui sont chauds pour nous voir là, plus vite. Ouais, pour finir, pour nous filer la cam. Oui, mais je sais pas, ils voulaient discuter aussi. Ah ouais? Ouais, peut-être que pour ça, par rapport à l'accord, ou j'en sais rien. On leur dit qu'on a la coque ou pas d'ailleurs? Pas encore. Tant qu'on n'a pas annoncé la production, ça va rien de dire. Moi j'ai dit qu'on aurait un truc en rapport avec la cam qui allait intéresser, la Dora. C'est parce qu'ils... voilà. C'est tout. Ouais, moi je suis plat. Moi j'ai pas tard. Je peux pas m'apporter encore 20 kilos. Putain mais vous êtes... Ah non, encore 7 kilos effectivement. Encore 20 kilos toi? Oui, ouais, on vient là, toi. Déposer notre kit. Oui. Ouais, pareil. Oui. Dis-moi. Voilà. Comme ça laisse un peu de temps à Franck de faire un aller-retour, et si on peut faire l'aller-retour tous ensemble, ça serait sympa. Oui, c'est mieux. En vrai, là, on a déjà... Voilà, attention, tu... Tu passes des trucs dans ta bouche. Bah, tout va bien. Tu as laissé par un sachet sauvage ou quoi? C'était la chute du Yeti, ouais. Ah d'accord. Attends. C'est bizarre parce que si c'est des Sasquatch, non? Ouais. Attends. Bref, qu'est-ce que je disais? Ça m'a perturbé. Putain, je sais plus non plus. Ah ouais, là tu vois, on en a 13 000, je crois, j'ai vu de grade. Peut-être, oui, je sais plus. Sachant qu'on en fait 18 tous les sorts. Ok, donc si on va en faire 180... Ah, oh, putain, qui m'appelle? Ah bah Nikita, Tiens. Ah, privet, Nikita. Bah dis d'aller aux EBS, tiens. Oh non, on est en train de faire de la récolte. Nikita, il était mort. C'était mon micro qui est tombé. Mais j'ai fait tellement d'entrée, je l'ai pas vu. C'est tout. Bah comme tu le veux, soit tu vas vendre de la drogue, tu peux te faire déçu. Dis-lui d'aller aux EBS pour qu'il se fasse passer handicapé mental, je sais pas quoi là. Ah oui, t'as fait ton truc pour. Tu sais ce qu'on avait vu avec le. Comment ça s'appelle là? Le procureur, là, qu'il faut que t'aies un truc comme quoi, t'es handicapé mental ou je sais pas quoi. Eh ben voilà, let's go. Ah, mais c'est bon, j'ai tout. Ah, attends. Faut bien qu'il passe à dire saucisse. Non. Ah ouais, saucisse. Merde, saucisse. Guys. Merde, guys. Attendez où, Franck? Je viens de ranger le bateau, je reviens. Alice, tu peux m'en passer un petit bol, il me reste un kilo, moi. Attends. Il te reste combien de kilos, Adia, toi?
À mon avis, pas ça beaucoup. Bah, je suis à 66. Bah, ah non, il me reste 15 kilos. Bah, je te donne 50, ça te va? Oh, vas-y, vas-y, ouais, bah, comment ça se fait? Attends, je te donne 50... 75, Beb. Vas-y, vas-y. Attends. Je sais pas, attends. Hop. C'est de voilà. Mais... Ah, mais pourquoi? Ça fonctionne pas. Ah, c'est ch... Il se dérive. Non, je sais pas, j'étais bloqué. Attends, ok, 75. C'est ça, là. Mais moi, j'avais pas bien, bien les poches pas pleines. Si vous voulez une astuce, courez entre les deux. Hein. Ça va beaucoup plus vite. Hein. Après, faut moi, avoir je décide envie. D'être chill. Bah ouais, non, mais c'est ça. C'est bon. Moi, j'essaye de faire des chemins courts, mais tu me rends dedans à chaque fois, putain. Ouais, ça va. C'est pour ça que je vais pas vite, putain. C'est ta faute. C'est toujours ta faute. Pour une fois que c'est pas de la mienne. Ta gueule. Après, c'est toujours ta faute, petit Paul. T'es pas au courant, mais tu sais pas. Mais c'est ça. Oui, je sais. Des prospects, c'est forcément ta faute. Pourquoi t'as pas ton casque, c'est... d'ailleurs? C'est moi qui l'ai enlevé. Parce que c'était vachement trop visible de loin. Quand on croyait qu'il y avait peut-être quelqu'un dans les fourrés. Billy, pourquoi t'as ton casque? C'est parce qu'elle a remis. Je l'ai remis. Du coup, t'en... Du coup, t'écoutes pas ta barrette. Je suis là, une trentaine de secondes. Ouais, j'ai pris une petite bon personnelle, ouais. Je me sentais à poil sans mon truc de prospect, j'avoue. Tipeul, remets ton casque. Ok. Après, c'est vrai que toi, avec ta touffe, c'est un peu moins visible. Mais lui, excuse-moi, mais ça se voit à 3000 km. Ouais, allô, c'est de nouveau moi, excuse-moi de te déranger. Dis-moi, on serait éventuellement libre. Est-ce que vous aussi? Dans un sac poubelle. Moi, je peux être là dans 10 minutes. 10-15 minutes. Ouais. Bah, le temps qu'on charge le... la bagnole et puis on arrive. Ok, bah, je vous laisse nous donner un point quand même dans 10-15 minutes du coup. Ok, très bien, on fait comme ça. Très bien, et allez, salut. À tout à l'heure. Tu cherches le Takiwaki? Ouais, je cherchais Teki Walki. Qui bah, va tout peut... seul? Bah, déjà, on va tous aller au bateau de toute manière, je crois. Oui, il me reste 4 kilos à prendre. Si vous me donnez les 150 et que vous complétez comme ça, normalement ça vous fera qu'un aller-retour au bateau et moi je. Bah donnez-toi à Franck, moi je rentre au bateau. Ouais, okay. Ok. Bah alors lui on donne 200 alors. Et comme ça Franck tu viens avec quoi? Ouais. Ok. Faut que j'aille les clés du bateau à quelqu'un alors. Non, Billy elle a pris les clés du bateau. Le bateau, ouais. Ah, t'as pris les clés. T'as pris les clés du bateau à? Ah, ok. Attends. Un peu plus. Billy, t'as pris les clés du bateau, c'est ça? Ouais. Donne les clés du speeder à Billy aussi. Ouais. Ça roule. Hop là. Comme ça, nous, on garde directement le bateau, on va pas le décharger, ça sera à vous de le décharger une fois que vous rentrerez. Ok, nickel, okay. Merci. Bah viens, Franck. Attends. Vérifie que t'as bien eu la clé. Speeder, c'est bon. Speeder de V2. Ouais. Impact. Allez, let's go. Merde. Ok, après du coup, bah, ça va aller. Hein. Parce que là, on aurait déjà fait combien 400, 500 plus. On a donné au moins 500. Bah, de toute manière, vous avez, la limite c'est 1700, donc vous êtes encore un peu large. Hein. T'as tout mis dans le bateau, c'est ça, Franck? Et on était à combien là? Bah du coup j'avais fait déjà 120 kilos et là avec ce que j'ai sur moi 180. Ok, plus ce que j'ai sur moi. Ouais. Pas mal hein, putain. Moi j'ai calculé que si je faisais 4 allers-retours, tout le monde avait qu'un aller-retour à faire au bateau. Ouais putain. C'est un enfer, faut vraiment qu'on ait des véhicules putain. Ah ouais, ça, on sera content de les avoir. Ouais, j'arrête pas de relancer. Mais bon, on en prendra grand soin des véhicules. Mais tu sais, le Darknet, c'est le genre de mec, tu les relances une fois et tu fais « Bonjour, excusez-moi, j'oserais pas trop vous déranger parce que bon, vous avez quand même des AK-47. » Ah, c'est clair qu'ils ont pas l'air commodes, oui, il faut y aller. Avec pas si bouillie. Sur la pointe des pieds, oui.
passe toujours par ici. Je trouve que c'est le trajet le plus court. Ok. Allez, salut Punk. Tu veux piloter le retour ? Non, oh, vas-y, vas-y, fais. Ok. Putain, merde, il y a un problème. Ah, c'est compliqué de s'installer. Ah, c'est bon. Allez, vas-y. T'as pas pris ta moto avec toi ? Non. Ok. Bah c'est pas, mais ils ont pas les clés de mon Rumpo aussi. Ah, ils ont pas les clés du Rumpo ? Non. Tu l'as, tu peux. Bon, c'est bizarre, c'est normalement tout le monde a les clés de ton Rumpo, toi. Bah j'en ai laissé une paire d'exemplaires, au pire demande en radio, peut-être si quelqu'un. Quelqu'un a les clés du Rumpo ou pas ? La clé elle doit s'appeler Rumpo FR. Pire, de toute façon, on n'a pas fini. Franck il viendra nous les déposer. Ouais, c'est vrai que le temps qu'on finisse tout ça, enfin, nous on aura fini. Tout qu'on a pas la tête. Ouais, c'est vrai on que c'est vous dit quand on parle, de toute façon. L'air reçu. C'est pas con ce que dit Adia. Ouais, je suis d'accord. Bateau, ce bazar, hein. C'est clair. Pour avoir déjà été dessus, je te dis, tu fais pas le fier. Hein. Ah il y a bah de petits trucs là-dessus. Bah, on y était ensemble. On y était ensemble. Bah, le soir avant d'aller faire pampan sur Caillot. Ah, on était dessus. Bah, on est passé dessus d'abord, oui. Puis ils nous ont mis après dans les hélicos après pour aller sur l'aéroport de Caillot. Ouais. Ah, j'avais oublié ça, ouais. Ouais, ça serait chouette de faire une ride là-bas. Non. Alors oui, oui. Mais Oui, non, je parle du lieu, hein, je parle pas des proprios, on est bien d'accord. On ouais. N'ira même pas leur poser la question, on est d'accord. C'est, ça fait partie des lieux de rêve quand même. C'est clair. On va se bourrer la gueule et se droguer sur le pont d'un avion, c'est pas tous les jours. C'est stylé. Bah souvent les rêves ça se fait dans des bases militaires, c'est pas pour rien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. De passer un petit peu au large ici des entrepôts là parce qu'il y a de l'activité, il y a machin, j'aurais pas que des gens nous repèrent à faire des allers-retours trop souvent. Ouais, c'est clair. Puis il y a Meriwether aussi là dans les derniers. Ouais, non, faut faire gaffe à eux. Bah c'est ça, je les sens pas trop là. Ah, du coup, tu veux voir RRZ? Ah bah non, faut qu'on leur ramène là ces d'autres bidules. Ouais, pour la rue Lavraie, ça serait pas mal que vous soyez là parce qu'il y a quand même beaucoup à charger. Ouais, c'est pour ça. Bah écoute, on fait notre tour, on te dit quand on part et tu les appelles à ce moment-là. Combien non, mais faites vos trucs jusqu'au bout et puis après, bah, quand vous commencez à partir. Tout c'est eux qui doivent nous rappeler, non? Bah, ils m'ont rappelé et du coup, je leur ai dit qu'on n'était pas dispo. C'était ça le texto que j'ai eu tout à l'heure. Ah, ok. Bah, faites. Bah, finissez et puis vous me dites quand vous avez fini et puis voilà. Ok. Parce qu'il faudra quand même ramener tout ça dans un repos, décharger le repos, tout ça, tout ça.
logiquement, nous, il y a juste à prendre un max sur nous, ça pourrait être suffisant. Hein. Non, mais là laisse, garde le bateau et le changeons. Ok. On décharge pas le bateau, du coup, on vous laisse le recharger. Bah, le décharger, quoi. Bah, vous avez reçu Oui, celui que vous avez laissé de façon en porte, c'est le nôtre. C'est le bateau A. Viens sur ma moto, Franck. Ok. Allez, c'est parti. Donc, Oh, quelle horreur. On va te faire reprendre ta moto. Ça marche. Tiens, appelle Nikita pour savoir où il en est pour son son truc, s'il a réussi ou pas. Ok. Enfin, s'il doit passer un test ou pas, et sinon il rentre au squat s'il a rien à faire. Ça marche. Ah, il m'a raccroché. Ouais, super. Bah, il doit t'occuper du coup. Ça a dû passer. Ok. Il met un message, un SMS, je suis à l'hôpital. Ok. Et du coup, si elle est raccrochée, ça veut dire qu'il est occupé ou pas? Putain, ça c'est... Oui, il doit être en soin. Ah ouais, d'accord. Vas-y, je te laisse... prendre ta moto. Hop là, 80 000. Alors, décodeur. Réveil. Ordi. Console de jeu. Eh, mais toi... Hop là. Pour information, le rendez-vous se passe en 8206. Ok. Au niveau de la plage. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, ça va, impeccable, et vous? Ouais, nickel. Ah, ça fait un moment qu'on vous avait pas croisé.
Ouais. On a été pris. C'est normal, tout va bien ? Ouais, tout va bien. Ça roule. Bon, bah tant mieux alors. Tant mieux. On entendra pas bientôt parler de nous en ville, mais c'est le temps qu'on s'organise tout ça. Ah ouais ? En bien, j'espère ? Ouais, on va organiser des trucs pour faire chier les keufs et pour s'éclater quoi. Enfin, vous connaissez la routine. Ouais. Voilà. Ah, c'est comme ça qu'on vous connaît. Voilà. C'est bien d'organiser des petits trucs, hein. Bah, exactement. Ouais, on attend la prochaine manif. Normal. Vous serez là cette fois-là ? Oula, ouais, certainement là. Honnêtement, je pense. J'ai très envie de participer. Ah ! Mais sans compter que la dernière fois, il va falloir un peu durcir le ton, donc. Bah, vous inquiétez pas, on est aussi sur cette position. Je pense qu'il faut durcir le ton des fois. Ouais. On était du coup sur Ditalki, c'est ça ? Ditalki, pour 80 000 et j'ai apporté de quoi faire des pièces radio. Parce que ouais, c'est ça. Donc tu vois, ils avaient très bien compris. Non, c'est moi qui n'ai pas compris. Mon collègue me disait 90 000 et je disais non, c'est 80 000 s'ils fournissent les composants. Donc c'est parfait ouais. Du coup. Ouais, c'est ça, mais j'ai confondu. J'ai juste oublié combien de composants on pouvait retirer, du coup j'ai pris plusieurs trucs, mais... Comment ça, combien de composants Bah, j'ai un réveil, j'ai trois réveils, j'ai un décodeur, j'ai des ordi, du coup je sais pas... Alors, les ordi c'est 3, ouais. Les consoles c'est 2, et tout le reste c'est 1, si je me trompe pas. 3 et... Attends, je vérifie si tu dis pas connerie. Ouais. Je crois que console et décodeur c'est 2. Il reste 1. Ah ouais, décodeur ça doit être 2 aussi. Et réveil et montre connectée c'est 1. Ok, bah du coup je vous file 80 000, 2 ordi, une console, ouais. Un décodeur. Ouais, c'est ça, c'est tout rond. Et qui achète ça à qui ? Tu peux envoyer ça. Ouais. Ok. Mais du coup, ça fait combien de temps que vous avez le business ? Parce qu'on avait. On savait pas, nous. C'est vrai ? Ça fait. Une semaine et demie. Ah d'accord, non, bon ça va, c'est pas genre de... Non, c'est tout neuf, mais on avait des petites choses à mettre en place avant. Ouais, bah c'est sûr, faut pas te dire tout de suite, l'expérience nous a appris que... Ouais, ouais c'est ça, faut se mettre en place, faire un petit peu de stock. Je suis sûr de vérifier. Voilà. C'est ça. D'ailleurs, il me semble que... Tu peux voir ta bagnole, s'il te plaît ? Ouais, bien sûr. Merci. Si je dis pas de conneries, vous verrez, du coup, il y a certainement un deuxième vendeur en ville. Vous êtes au courant déjà. On sait qu'il y a un deuxième vendeur en ville, mais comme on est en bon terme, du coup on est passé par vous direct quand on avait un besoin immédiat. Parfait, c'est parfait. Ouais, effectivement, ça va être un petit peu compliqué. On propose pas les mêmes tarifs et visuellement on n'arrive pas à s'entendre. Mais bon, ceci nous dit que c'est compliqué d'avoir deux groupes sur un même business. Donc, bah, surtout que si vous partagez le même labo, c'est à quoi se taper dessus, ouais. Bah non, mais en fait, sans rentrer dans les détails, nous on leur a proposé en fait de faire chacun son business de son côté, qu'on se dérange pas et qu'on essaie de faire des prix à peu près similaires. Ils nous ont envoyé nous faire foutre alors que ce sont des petites frappes en invoquant que c'était le Darknet qui voulait pas, alors que nous le Darknet nous a dit tout l'inverse. Bien donc sûr. C'est nous prendre un petit peu pour des cons et on n'apprécie pas trop quoi. Surtout que nous on est honnête quoi. Donc Ouais, c'est ça. Ça et derrière, ils baissent les tarifs en fonction des clients juste pour tenter de nous asphyxier économiquement. Donc bon. Ah oui, voilà. D'accord. Mais ça veut dire ce que ça veut dire et on sait à quoi s'attendre. Donc certainement que ça va péter. Mais bon, vous ne serez pas impacté dans tous les cas. Nous, on a du stock, etc. Donc il n'y aura pas de soucis. Ok, bah super. Ça roule ? Allez, ouais. Bah, du coup, merci beaucoup. Merci bien. C'est bon, vous avez tout récupéré ? Ouais, c'est bon. Je pense qu'il y a le compte. Ouais, c'est bon, ouais. Parfait, merci les gars. À la prochaine, du coup. Bah, merci. Attendez. N'hésitez pas. Oui. D'ailleurs, tu m'avais dit au téléphone, je sais plus c'est qui que j'avais eu, qu'il y avait des nouveaux tarifs ou un truc comme ça ? Non ? T'allais me filer par les tarifs ? Ou c'était pour répéter ce qu'on a dit ? Bah, en fait, non, parce que je savais pas si t'étais au courant un petit peu des tarifs actuels, en fait. Je sais pas. J'avais tenu au courant Anya, mais au niveau des tarifs actuels, je peux te les donner à l'oral si tu veux noter. Si tu veux. Ouais, vas-y, je note, ouais. Prospect, note. C'est parfait. Ouais, ça aussi, je note. Voilà, ça se pratique. Parfait. Donc, au niveau des outils de crochetage, là-dessus, on est à 2 000 $ unité. Avec une remise. Sachant qu'il y a une remise de 10%. Si jamais vous prenez en gros, on considère que c'est en gros à partir de 25.
Ok, bon, ça je vous cache pas, nous, quand on a le business, on a fait plein d'outils de crochetage pour en vendre à tout le monde, et finalement, on se les fait péter rapidos, du coup, on avait plein d'outils de crochetage qu'on a gardés. Oh, bah, c'est pas plus mal. Okay. On avait pas trop l'intention. De toute façon. Je vous cache pas qu'on avait pas trop l'intention d'acheter des outils de crochetage ou de reste, du coup, on s'est dit, bon, on va faire un stock, on va rester là, on verra. Ouais, forcément. Bon, après, ça sert pour. Ah non, ça sert plus que pour le recel. Ça sert plus pour les super. Ils ont changé les coffres dans les super. Ah, excusez-moi. J'excuse. Mais ouais, puis là, on est un petit peu. Là, on met les choses en place, etc. Et nous, on veut faire vraiment faire travailler tout le monde, quoi. Donc, ouais, mais parce que ça change totalement des prix qu'ils nous avaient fait avant. Enfin, les anciens, je me suis dit, waouh, ils ont dit que ça avait changé, mais en fait, ça n'a pas changé. Ils ont juste voulu reculer tout le monde, quoi. Bah, il y a un peu de ça. Nous, on fait des prix qu'on estime être honnêtes. Et on veut pas se tailler la part du lion non plus sur les choses. On veut tirer un bénéfice honnête par rapport au risque qu'on prend aussi. Mais faut que tout le monde puisse gagner correctement pour bouffer, quoi. Et puis des outils de crochetage, faut que ce soit des petites mains qui puissent en acheter aussi. Donc faut pas faire ça super cher non plus, quoi. Tout à fait. Après là où effectivement c'est plus intéressant le bénéfice, c'est par exemple sur les perceuses tout ça. Mais parce que derrière ça rapporte aussi beaucoup beaucoup d'argent. Ouais, d'ailleurs, c'est ton collègue qui a tous les prix ou, ouais, je crois que les perceuses, c'est environ 60 000. Je crois que c'est dans ces prix-là. En sachant qu'une flicasse, c'est 400 000. Quoi, donc, ouais, c'est clair, on connaît. Donc voilà, je pense que c'est honnête. Mais ouais, il a tous les prix, il les connaît bien mieux que moi. Et ah ouais, bah, c'est lui qui les a fait. Je demanderai la confirmation, ouais, t'inquiète. Ouais, ouais. Mais c'est pour ça. Après, c'est pareil, hein, si vous avez, si vous connaissez par exemple des petites frappes et tout en qui vous avez confiance, qui recherchent des kits et que vous en avez plus ou vous ne souhaitez pas leur vendre directement, vous pouvez toujours nous les envoyer, nous on les fera travailler, il n'y a aucun problème. Avant, avec l'ancien système, on leur filait et on leur vendait à votre prix, quoi. Du coup, là maintenant que vous êtes là et qu'on sait que vous faites des projets honnêtes, il n'y a pas besoin qu'on fasse ça, quoi, autant qu'ils passent directement par vous, quoi. Bien sûr, ouais, avec plaisir, carrément. Et pareil, on a rencontré du coup les Ballas. Ouais. Les Ballas, on a discuté un petit peu avec eux. Honnêtement, leur OG, ça a l'air d'être quelqu'un d'honnête aussi. Ouais, ils bossent bien les Ballas. Donc je pense que, tu vois, on a discuté. L'autre soir, on l'a arrangé par rapport aux armes et tout. Il était en galère, le pauvre, il n'arrivait pas à joindre les 14K, tu vois. Ouais. Et en 10 minutes, on a fait venir le chef 14K qui lui a amené son flingue et tout. Il était refait, quoi. Ah bah c'est bien ça. Et ouais, bah on a pu s'arranger comme ça. Et en plus de ça, le pauvre, il se fait un peu exploiter par les Varaderos en ce moment, quoi. Donc, la merde. À part de rien de cacher, c'est eux qui sont sur le même business que nous. Ouais, non, mais ça, je le sais, ouais. Ouais. Et avant, c'était les revendeurs, je le sais aussi. Ouais, c'est ça. Et même la façon dont ils ont repris le business. Les mecs, ils se la pètent alors qu'ils ont soulevé un gars tout seul pour qui ils étaient censés travailler. Et après, ils viennent nous parler de loyauté et tout. Enfin, on a trouvé ça un peu bizarre, quoi. J'avais eu l'Oberta. Non, c'est BMF, je crois. Ouais. Ils étaient pas super contents. Ouais. Bah, après, ouais. Tout ce qui est Oberta, tu vas pas trop en entendre parler pendant quelques jours. Hein. Je te le dis. Ah ouais, ils sont partis ? Non, mais on a réussi à convaincre les bonnes personnes d'arrêter un peu le business. J'aime pas trop les mecs. D'accord. Qui enquêtent sur le business, donc. Voilà. Mais on a tiré sur personne, on a tué personne, on a blessé personne. On a juste discuté comme d'habitude. Et comme d'habitude, on laisse toujours des chances aux gens. C'est bien. On les ostracise pas, en fait. Et même si demain on reprend complètement le business des outillages, ceux qui avaient le business avant. Ils pourront tout à fait nous acheter des choses et pas du tout à prix de fou comme ils voulaient nous faire à 6500 le kit à l'époque. Ouais, putain, ça oui. 6500 le kit de crochetage, c'était une dinguerie ça aussi. Hein. Ah, mais non, mais oui, mais en plus, nous, du coup, on avait eu le truc, on savait combien ça coûtait, on a vu ça, on a fait. Mais... Et après, ils ont ça dit, ouais, beaucoup, ça. Ils ont dit, ça a changé, je fais. Ah, ouais, mais ça a changé, vénère comme. Bah, ouais, désolé carrément. Pour le coup de téléphone, c'est important. Ouais, t'inquiète. Du coup, les prix, c'est quoi ? Alors, les tarifs, du coup. On est à 2000$ pour les kits de crochetage avec la... Alors,
avec la réduction en gros. Ouais. Ensuite, pour les pieds de biche, on a 7000. Tu notes, prospect ? Ça va, Nathan, tout va bien ? Ouais, ouais, tout va bien. Parfait. Donc, pas tarder à avoir fini. Ensuite, pour les perceuses, du coup, on est à 65. Ok. Ah, 65. Et après, il y a les très grosses perceuses, du coup, on est à 180. Ok. Ensuite, bah voilà, pour les composants, vous savez. Les toki, du coup, on est à 9000. Éventuellement, on rachète les compos, donc on peut faire une réduction à 8000. Ouais. Et après, on a les balises de détection à 15000. Ok. Voilà, voilà. D'ailleurs, du coup, j'ai 3 réveils sur moi, ça vous dit, je vous le donne et vous me faites un avoir la prochaine fois. Ouais, carrément. Sinon, je ramène. Voilà, hein, faudra que tu notes alors. Ou sinon, je ramène chez nous, hein, c'est pas grave, hein, c'est juste comme ils sont sur moi. Ça peut peut-être vous dépanner pour, dans les médias. Bah, sinon, je suis con, mais au pire, bien, tu mais... veux pas. Au pire, on lui refile 3000. Hein. Ouais, ça peut le faire aussi. Bah, t'as 3000 balles. Oui, ouais. Je vous ai fini bah, les 80 000 de sel, ouais. Comme ça, au moins, c'est direct. Ouais, comme ça, moi, c'est fait, on rachète ça. Allez hop. C'est moi qui ai l'argent ? Non, c'est pas moi. Merde, attends. Faut que j'ai des pertes de mémoire. Attends, c'est pas moi qui ai l'argent non plus, donc. Attends, dans la bagnole. Tu l'as mis dans la voiture. Les gars, faut arrêter la cab. Hein. Non, je déconne, faut jamais arrêter. Yes, merci beaucoup. Si jamais. Alors. C'est quoi ce genre de. J'en vérifie, mais non, j'ai pas l'argent. Les gars, vous avez perdu. On perd pas 80 000 comme ça quand même. Ouais, bah j'ai pas les thunes. Bah moi non plus. Attends, mais c'est quoi cette histoire ? Attends, la bagnole. Attendez, il se passe un truc bizarre. Pourquoi j'ai ça dans ma moto ? Ouais, t'as quoi ? J'ai les décodeurs, j'ai De quoi ? T'as pas déposé ça dans ma moto par hasard ? Bah non. Attends, je ferme bien ma moto. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends. Quoi? Attends, de là, t'imagines, on va pas les jeter dans le coffre de la moto d'ici. Absolument rien dans la voiture. Pardon, je me permets de le mettre dans la voiture du coup? Vas-y, ouais, bien sûr. Les fascios, ils étaient dans ta moto aussi? Bah j'avais tout dans ma moto. Ah ouais, j'avais... Ah bah, ça va. Bon, je me récupère 3000 de ça là, je me permets. Vas-y. Et merde, j'ai récupéré 300. Putain, 2700. J'ai bien les hostel key par contre, et là on est bon. Regardez, dites-moi si c'est bon pour vous. Ouais, j'ai vérifié, mais. Ouais, on est ouais... bon. Ça y est. Ouais, c'est tout bon. Et t'as bien les tokis du coup, c'est bon? Ouais, c'est bon, ouais. Putain, on a fait gagner okay. Des tokis et 80 000 balles, putain. Ah ouais, bah, on serait rentré à la maison, bah merde. Merci pour l'honnêteté du coup, parce que sinon on serait ouais. Parti sans probablement. Bah écoute, on va vous laisser. Si jamais, nous. Autre chose. Ouais. Si jamais. Vous croisez un type qui dit vendre des pieds de biche à 2300$. Ouais. Si vous voulez bien nous passer un petit coup de fil, ce serait sympathique. Il est pris sur sa tête. C'est possible. Ok, on va repartir de Bah en tout cas s'il y a des choses comme ça, je pense que déjà premièrement on vous offrira le stock qu'il avait sur lui. Si c'est vous qui nous appelez, et puis ensuite on verra. Ouais, ok, pas de soucis, ouais. Ça marche, merci beaucoup. Ouais, merci. Merci. Allez, bonne soirée à vous, les gars. Pardon. Ouais, reçu. Vas-y, on va aller au port. Viens au port pour vous filer un coup de bas et je vais contacter après les autres. Merde, le squat, c'est où? À droite. J'avais oublié, il faut aller au squat quand même, avant.
Ah, je remonte avec toi. Ouais, vas-y. La rue, la vraie. Elle. Tu es là? Ouais, salut, c'est Nathan des Misfits. Ouais. C'était pour te prévenir qu'on allait être disponible d'ici 5-10 minutes, enfin ouais, peut-être plus 10 minutes pour une livraison si tu veux. Ouais, bien, bah je te le dis dès qu'on est dispo. Ok, mais du coup ça vous serait sûrement dispo dans 5-10 minutes quoi, on prépare les camions et tout quoi. Je peux pas t'affilmer que dans 5-10 minutes on sera dispo. Ok, très bien, bon bah tu nous dis quand t'es prêt. Ouais, je t'envoie un SMS, ok bien. Vas-y, ouais. Ça marche, ça tout de suite. Normal qu'il dit OK BD, Daryl. Aucune idée. Il m'a dit hola. Ah bah oui, il est colombien. Ok. Écoute, t'en entends, il y a des petites résurgences d'espagnols qui passent. Non, non, mais je savais pas qu'il était colombien. Pour moi, c'était un gars de la street, quoi. Un gars de la rue, d'avant. Bah quand on est arrivé sur l'île tous les deux, lui du coup il est arrivé de Colombie, il y a son pote Alejandro qui est arrivé un petit peu après, et puis ils ont rencontré Vassili qui lui venait de Russie. Et qui est de Russie, Ukraine, machin. Ouais, les trucs là. Il y a un black ukrainien, ouais. C'est après, il fait ce qu'il veut. Vas-y, on va décharger ça. Attends, bah je vais juste les garer pour que ce soit plus pratique pour nous. Ouais. Sinon tu veux faire qu'on passe comment pour Fais comme lui et rapproche du quai. Attendez, 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 je veux... Oh, c'est pas grave. Tu en parles à lui et... Voilà. Ah voilà, voilà, hop là. On a presque fini. Merde. Et au moins je prends le reste. Ouais, plus rien. Il reste juste que petite heure sur lui. Ok. Nickel. Du coup, Agnès, ce que je te propose, c'est qu'on fait un retour squat. Et On prépare et on les appelle. Bah, j'ai déjà appelé, j'aurais dit ouais, on va être dispo. Il a dit je t'envoie un SMS quand on est dispo. Du coup, on va peut-être pas préparer tout de suite, je sais pas. Bah devrait pas tarder quand même. Moi je m'étais dit, dans ce cas-là, on prépare les camions, on fait un aller-retour au labo et on lance le truc pendant que après on va repréparer le camion. Ouais, mais tu faudrait garder quelqu'un dans le coin pour voir s'il y a personne qui passe quoi. Ouais. Non, je sais pas. Bah ouais, oui, ouais.
Vas-y, retourne au squat, tout va dire. Allez. Fais gaffe, Tché, tu parles super fort. Eh ben, peut-être que j'avais envie de parler super fort. Ok, c'est ton choix. Non, j'ai envie d'arrêter de parler super fort, là. Par contre, essayez de bien rouler parce qu'on pourrait se faire contrôler par les flics pour juste pour ça. D'ailleurs. Voilà. De que d'ailleurs. Eh, salut, ça va? Comment ça va? Ça va, mais je vais me réveiller. Parfait. Alors, attendez. Je fais pas ça maintenant. Attendez, il faut qu'on réfléchisse. Ok. Il nous envoie SMS prochainement. Moi, oui. Je serais... vas-y, attends, on va pas faire ça à côté des prospects. Déchargez pas tout de suite les prospects. Non, on décharge pas. Du coup, ouais, ils m'ont dit qu'ils allaient envoyer un SMS quand ils seraient dispo, mais ils savaient pas trop quand. Peut-être d'ici 5-10 minutes, on sait pas quoi. D'accord. Bah déjà, on va décharger quand même. Attends. Moi, je serais pour qu'on charge tout. On envoie des prospects au moins charger le coffre là-bas. Charger le labo. Moi, j'en enverrai déjà un, voir s'il y a bien personne. Parce que, imagine, il y a quelqu'un. On serait pas comme des cons. Mais non. Enfin, on avance. En fait, on demande aux prospects de charger tout le camion. Avec ce qu'il faut pour faire de la cocaïne. Ouais. Nous deux, on part en amont avec un flingue pour aller vérifier si tout est ok. Mm-hmm. Une fois que tout est ok, les prospects ils y vont, ils déchargent là-bas, ils repartent. Et nous, on va choper une carte bleue et puis on fait nos bails et on met un ou deux prospects à guetter de temps en temps. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. On va pas rester tout le temps dessus, mais bon, je pense si on passe toutes les 15-20 minutes, une demi-heure pour aller récupérer. Mais tu sais ce qu'on devrait faire en vrai c'est, enfin, déjà, faut prendre du sale aussi. Mais en fait, on achète avec la carte bleue, on achète plein de plans. Même au-delà de ce qu'on a besoin aujourd'hui. Et comme ça, on n'a pas besoin d'en sortir beaucoup la carte bleue. Hein. Bah, c'est le but, ouais. C'est pour ça. Mais là, on est à 15 000, on est à je sais plus à combien là. Donc, c'est pour ça, ça vaut le coup de la sortir là. On la sort on lance le truc, on se casse et puis voilà, y a comme ça, il n'y a pas de problème avec la carte. Ah oui, non, mais en fait, j'arrive pas à me représenter combien ça vaut en fait de thunes. Attends. Les plans. Non, mais là, c'est. Ouais, carrément. Là, y a pas de plan en fait, c'est juste pour lancer la production qu'il faut la carte. Ah, d'accord, je savais pas. Alors, les prospects. Oui. Vous allez me charger ce camion-là et l'autre. S'il y a besoin de l'autre. De tout ce que vous avez en graines de coca et, tout, okay. tous les autres trucs, vous chargez exactement ce qu'il faut pour transformer ça en cocaïne. Vous avez un exemple à côté là. Ouais. Graines de coca, ok. Vous voyez ce que... Donc toutes les graines. Vous prenez toutes les graines de coca et tous les trucs autour, genre ce qu'il faut, ouais. Essence, machin. Vous prenez le chiffre exact pour avoir un chiffre euro. Vous chargez ça. Et ensuite, on vous dira où aller. D'accord. Allez, on décharge la... Il faut un deuxième vague, du coup. Bah ouais, c'est voilà. Il y a quoi là-dedans, en fait? Vous en prenez un ou deux, vous démerdez. C'est quoi. Les graines de coca qui sont là-dedans. Ouais. Ah oui, mais il faut les graines de coca, du coup. J'ai un 800 kilos, je peux aller chercher. Il faut terre, peau, bouteille et fertilisant, essence, c'est ça? Ouais, un truc comme ça. Mais je vais chercher l'autre camion. Tu viens bien. Non, mais là-dedans, il faut mettre les graines de coca dans le bus. Ouais, mais... Oui, il faut calculer ce que vous avez aussi besoin, c'est-à-dire repos. Oui. Et machin, et c'est, je sais pas où ça s'achète ça. Si ça s'achète sur la plage, mais on a déjà un petit stock normalement.
tout ça. Ouais, mais là, et on a combien aussi déjà dans le rempo là? Beaucoup. Vous savez que si vous vous collez bien, c'est beaucoup moins chiant pour vous. Vous avez même pas bougé. Oui. Il y a des techniques slaves, ça, je connais pas. Bon, pour le coup, est-ce que je vais chercher un deuxième véhicule ou on le fait qu'avec Bah, remplissez déjà ce que vous pouvez et puis après vous verrez. Là, il est plein, en fait. Non, il est pas plein. T'es où, Adia? Parti, j'ai acheté mon truc. De quoi ton truc? Ils en ont pris un de camion? Franck en a un deuxième, je crois, non? Oui, j'en ai un deuxième, j'ai un 800 kilos s'il faut. Attends, je vais le chercher. Billy et moi, on n'a pas de cargueule. Est-ce que quand on a un petit moment, on pourrait aller s'en acheter une chacun ou bien? Vous servez dans le coffre, vous prenez ce que vous avez besoin. Ok, bon, nickel. Oui, y a pas de souci. Le truc, c'est que vous avez chacun soit une gargoyle, soit une moto qui va vite, quoi. C'est comme on se partage actuellement celle de Vicky. On se disait on va s'en acheter une perso, comme ça ce sera plus pratique. Bien sûr. Et celle de Vicky, ce sera pour quand il y a des gens qui se font choper, qui ont plus de gargoyle. Ouais, c'est ça. Prospects, et pour la custo, y a des trucs à éviter ou genre des couleurs, des machins. Nous, on s'en branle total. Hein, t'as bien vu. C'est chacun se fait comme il veut. Le seul truc, c'est que... Comment dire? On peut en parler tout à l'heure, sinon, si vous avez... Oui. Tardez pas trop les prospects, on a un deuxième rendez-vous après à faire, donc... Ok. Ça roule. J'ai pris un flingue. Ouais. Il est où? Il a été chercher le bus, non? C'est le... Parce que là, il faut regarder la recette pour savoir combien on fait. Si jamais il y a besoin qu'on aille acheter des trucs, vous nous le dites à la radio et on ira en acheter. Je pense qu'il n'y a pas assez de peau, moi. On verra, écoute, on verra. Faut les autonomiser, hein. Ouais. Franck, je te charge de faire le comptage par rapport à tout ce qui est de graines, s'il y a bien assez d'essence de machin, ok? Ça marche, je m'en charge. S'il vous plaît. Ah putain. Quoi? C'est pas par là, attends. Je t'entends pas. Non, c'est pas par là, putain. Attends. Merde, j'ai reçu. Mais c'est après, non? C'est eux, ils sont prêts? Ah putain, Daryl est prêt. Ok, dis aux prospects de préparer tout ce qui est oxy, machin chouette, là. On va le faire et comme ça c'est bon. Les prospects, vous me préparez aussi un autre camion avec tout ce qui est oxytruc là. Il en faut 15 000 dans un camion. Dans deux camions, mais 15 000. Faut plusieurs camions, ça représente 1500 kilos. J'en ai un, donc Billy a à peu près en deux. Vas-y, on retourne. Ouais, tant pis. Mais après, ça n'empêche pas qu'on peut juste checker s'il y a personne déjà.
Ah bah, ça a l'air tranquille là. Ok. Par contre, ça me fait vraiment, c'est vraiment open bar. Ah ouais, non, mais ici, c'est vraiment horrible. Hein. Et en plus, quelqu'un se met en face, on est grillé 2000. Hein. Non, mais on est grillé de partout ici. C'est pour ça qu'il faut y aller vachement plutôt sécure, quoi. Ouais. Bon, le mieux, c'est d'y aller la nuit même. Bah là, on verra tenir les prospects, faut, on va déjà récupérer ce qu'il faut pour faire la livraison. Je sais plus, désolé. Je peux pas regarder. C'est quoi le nom de ton van? Je l'ai pas renommé. Celui qui est jaune et gris. Faudrait que tu me... Ça va, merde. Ça va. Fracture de Lego. Bah non, mais regarde, y'a pas de chauffeur dans ce bus. Ah oui, ah oui, d'accord. C'est encore un truc fait par le gouvernement pour nous baiser, ça. Ouais, c'est sûr. Merde, je disais quoi? Faudrait que tu vois pour nous, pour les véhicules de transport, là. Oui, parce que là, on peut pas y aller en moto, c'est trop cramé. Non, mais pour, et même pour les chargements et tout ça, je pense que il nous faudra 2-3 Yuga ou que tu choisisses un autre véhicule en fonction, tu vois, mais oui, voilà. Il faut un truc qui passe là-bas. En vrai, pendant un moment, j'avais pensé... À quoi? J'avais pensé que tout ce qui est cam, enfin tout ce qui est récolte... Ouais. On dépose ça dans un Yuga ou dans un véhicule qui a beaucoup de stock, et on le dépose dans un parking. Mais pour moi, c'est le mieux, hein. Et comme ça, après, nous, quand on part d'ici, on y va en moto et on y va comme des connards, on passe par toutes les routes et qui ressemblent à rien, on va au parking et là, on change. Ouais, pour moi, de toute façon, il faut faire un truc comme ça. Ouais. Ça, c'est faire un truc droit d'ici à l'autre truc, on va se faire baiser par les flics, comme c'est pas. Par les flics, par n'importe quoi. Par tout le monde. Allez, on va voir s'ils ont besoin d'un coup de bas. C'est pas mal, ça, aussi. Y a besoin d'un coup de bas, les prospects? Je trouve pas les clés. Attends, mais je le cherchais. Bah c'est surtout pour sortir les vannes. C'est un minophène, ouais. On est en galère, pour le reste ça va. Tu me dis 38 ou de plus, hein. Ouais. Voilà, il est là. Tain, super, merci. Ouais, c'est ça, il y avait pas les clés. Ouais, mais... Non, mais tu les as, toi. Je les avais donné une fois. Je les ai donné une fois. Bah, j'en ai sorti un deuxième pour parce que je pense qu'il va y avoir besoin de stock là. Non mais je vais attends, je vais donner les clés mais je... Au ça me dit rien du tout. Les prospects, le principal c'est de charger en assis machin truc là, mettez en stand-by le premier truc, virer le camion. L'acétaminophène, c'est les sergos machin? C'est l'acétaminophène. Les pilules, ok. Il faut en mettre 15 000. Ok. C'est quoi toutes ces fringues d'ailleurs dans mon truc? Là, j'en peux plus des fringues. Putain, ouais, d'accord, ça s'écrit pas du tout comme je pensais. C'est tout en haut. Oui, c'est les petites pilules rouges bleues. Si, c'est bon. C'est plein déjà? Putain. On est qu'à 5000, hein. Attends, j'en ai un deuxième, j'en reviens un deuxième. Parce que là.
Mettez-le juste à 5000 par contre, qu'on se perde pas dans les comptes. Oui, oui, ce que je... 5005, je vais le mettre. Pour 9005. N'oubliez pas qu'on peut en garder sur nous. Hein. Okay. N'oubliez pas qu'après, au pire, on prend deux vannes et on garderait sur nous. Ouais, ouais, c'est sûrement ce qui est spécial à faire. Ah putain. Dépasser combien? Ah bah 9005. Ok, là il y a 6000 en gros. Si t'enlèves la carte grise, on peut mettre le dernier. Ok. Bougez pas, s'il vous plaît. Donc 6000 okay. Et 5. J'en ai 400 sur moi. Il y en a 11005. J'en ai 200 sur moi aussi. Donc il reste 4005 à charger. Attendez, qu'il y a calcul. Si on prend, moi j'en ai 150, Bilal en a 200. On est à 12249. Qui a combien? 400 balles. Ça 458, petit Paul. Ça 143. D'accord. 662. Vous pouvez pas prendre des chiffres pour rond les véhicules. On est à 14312. Après, fais chier, moi j'ai des fringues dans mon... En chargeant les motos ? Mais non, mais on a peut-être un autre camion encore, attendez. Non, ça fait chier. Il vaut mieux mettre dans les motos, il y a 4 motos qui peuvent être prises. Voilà, 3 camions, laisse tomber. Regarde celui-là. Dans le camion ou dans les motos pour le coup? Attends, je regarde celui-là, mais vas-y okay. Si tu veux. On peut mettre dans celui-là, c'est comme tu préfères, Bison Fumé. Je préfère qu'on mette dans. Dans moto, dans ça va passer, ça va passer, tu penses? Parce que dans moto, on peut mettre. Je regarde combien ça va faire pour être mis dans les motos. Ah, c'est 10 kilos, hein? Je pense que ouais, ça va être que dalle, là. Ah non, laisse tomber, il faut dans un truc. Bon, ok. Ok, j'amène le dernier. Il n'y aura pas grand chose, il manquera pour la somme, il manquera. C'était bien. Combien dedans le deuxième? 5999? Ouais. Attendez, vous emballez. Pour mes points enlever. Pas là pour enlever. Ah, carrément.
Je le calcule. Allez, vas-y. Je vais les retirer, les 50. Si je sais encore compter, oui. Ok. Alors, plus personne en a sur lui. Et c'est parti. Non, mais c'est bon, on n'a pas encore de position, donc... Ah, mais non, moi, okay. Quelqu'un va prendre mon van, s'il vous plaît, parce que moi, faut que je me mette devant avec la moto. J'y vais. De toute façon, ça va être Nathan et moi devant, et le dernier prospect derrière avec une radio et une moto. J'ai pas de radio. C'est mieux parce que là on va tous être splittés. J'ai pas de radio, merde. Oh. Normalement il y en a des nouvelles dans la. Qu'est-ce qu'ils vont là ? Ok. Et après, si on nous arrête, on dit qu'on va faire. Je sais pas moi, du surf à Paléto. Tout le monde arrive à mettre à prendre un véhicule, enfin dans les conducteurs. Parce que tout le monde a les clés qu'il faut. Moi j'ai les clés de celui-là là. Non mais celui-là on s'en fout, on va pas le prendre celui-là. Non, celui-là. Salut Dania, les clés sont sur le contact, c'est ça Dania ? Le jaune ? Normalement j'ai pas de double moi. Voyons faire. J'ai pu démarrer le moteur. Test radio. Annika. C'est moi, il y a qu'un jeu de clés, c'est moi qui l'ai. Ok. Ok, je le garde. Ok. Ok, les deux vannes pour la cocaïne sont prêts, il y a de quoi faire 98 fois la recette. Par contre, vous les fermez avant de partir, s'il vous plaît, vous les cachez. Que 90... que 98 fois la recette, il y a un problème. Non, quoi? Parce qu'après, on est saturé en taille, et pourtant, là, il y a 1400 kilos. Mais tu m'as dit kilos de Yona. On est à... Ouais, c'est ça, 1400 kilos et on fait 98 fois la recette parce que tout est lourd, quoi. Mais on n'était pas à 14 000... Si. On peut pas tout faire dans deux vannes, quoi. Mais après, on rechargera avec les autres. Ou vous ferez des allers-retours, on se démerdera. Ok. Ouais. On va voir s'il y a pas de... Il y a 800 plus 600 kilos, là, déjà chargés à bloc. Ouais. Tu dis il faut qu'on verrouille les vannes une fois qu'on les laisse à l'extérieur, tu vas verrouiller les miens, c'est ça, j'imagine, plus que j'ai pas la clé. Non, ce qui restera. Ok. Les nôtres, là, on les prend pour partir avec, mais ça veut dire que les deux... Celui-là, par exemple, que j'ai dit qu'il fallait planquer, il y a un connard qui rentre, quand on est pas là, il le prend, on a bien dans le cul. J'ai la pause, on va... Ouais. Je vais mettre sous le hangar. Bouge pas, je crois que j'ai encore un point. Ah non, c'est bon, vas-y. J'irais bien faire plein d'essence avant qu'on part. Putain. Didi. Ok, on va aller juste en dessus. Ah putain. Ok, est-ce que tout le monde a une radio? Franck, c'est ok, je suis dans le paradis. C'est bon, je sais pas s'il y en a une. Si, il a fait un test tout à l'heure. N'oubliez pas, s'il y a les flics, parlez par radio si vous voulez. Un prospect se met au cul avec sa moto, on avait dit. Oui, un prospect derrière là avec moto. Non, c'est parti. Quoi que non, pardon, on va retourner puis on va faire un truc. Billy, tu vas avec Bart, vous mettez derrière et vous faites toi Billy, tu fais très attention s'il y a quelqu'un qui arrive par derrière, ok? Ça marche. Ouais, parce que sinon toute seule en moto, je pense qu'elle peut la. Tu veux. Et on va faire le. En vrai, faudrait voir peut-être pour une mule ou un truc comme ça, parce que. Oui, là c'est. Des grosses cargaisons comme ça, bah là on va avoir le problème, hein. C'est ça nous fait arriver à 15 000 trucs, c'est pas bien quoi. Non. N'oubliez pas, si jamais il y a les flics qui nous arrêtent,
On part faire du surf à Pareto. Bien compris. Enlevez les cagoules, ceux qui sont dans les vannes. Ils sont que pour que mettre des cagoules. Je sais pas. C'est bon. Allez, c'est parti et vous me dites si je vais trop vite. Un petit peu pour Billy. Je suis à 50 à l'heure. Hein. Bah ouais, mais bon. Je demande si, si les ballasts, on devrait pas les mettre sur la cocaïne aussi. Je sais pas, on verra, mais déjà, on doit proposer de les prendre des ballasts en direct. C'est bon. Qu'est-ce que t'en penses? C'est aux ballasts qu'il faut proposer ça, c'est pas à eux. Bah non, mais après, tu sais. On demande si ça dérange si on les fait passer en direct déjà à RLD. Et après, à Ballas, on leur dit, bah écoute, si tu passes direct par eux, c'est moins cher. Bah on va dire qu'on peut les mettre en contact avec des gens et si ça les... Je gère, t'inquiète. Oui, oui, tu gères. Ouais, attendez un petit peu. C'est compliqué là. Ouais, attendez un petit peu. Ils ont un gros cul, hein. Ouais, c'est. Bah ouais. Je sais pas ce qui stocke. Ce qui a un plus gros coffre encore que ça. Une mule. Et on peut en acheter des mules, ça? Je sais pas, j'arrive pas. Mule ou camion poubelle? Ouais, j'y ai pensé aussi. Là-bas, ça passe très crème, hein, même chez bah nous. Ouais. Allez, moins vite, s'il vous plaît. Tiens. Par contre, prochaine fois, faudra préciser pas de monter hein, pour les rendez-vous. Hein. Mais en fait, ils nous ont invités encore chez eux, les connards, là. Oh, mais... Ah bon? Attendez-nous un peu en haut, parce qu'ils sont plus loin que nous. Ouais, tout droit, vous allez toujours tout droit, vous suivez. Avance un peu, on va se mettre sur la côte. Et voilà, on sait pas où vous êtes. Hein. Tout droit, tu vas tout droit. Là, on va prendre à gauche. C'est bon. Stop. Me dis pas que leur nom de groupe c'est La Rue La Vraie, ils habitent dans les putains de villas de la Goutte. Si, si. Non, c'est une blague. Tu vois, bon, moi j'ai pas envie de passer pour eux. Bah, ils habitent dans une rue, du coup ça va, non? Voilà, bah c'est comme si nous on disait qu'on était anarchiste et qu'on était multimillionnaire. Hein. Anticapitaliste, mais bon, oui, mais nous c'est pas le choix. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, putain de merde? C'est clair, il y a plus de monde qu'à la parade. Ah, cassez-vous les bourges, putain de merde! Tu leur dis qu'on est là? Bah ouais, je pense. Bah là, j'aurais dit. Le prochain qui klaxonne, je l'encule. Mais non, c'est moi qui a klaxonné. Ah d'accord. Ouais, salut. Et salut. Et salut. Hola, hola. Putain,
Putain, la monter avec ton camion, c'est difficile. Ah bah, ça, qui le dis-tu? Vous avez pas peur de faire les rendez-vous chez vous? Comment? Vous avez pas peur de faire les rendez-vous chez vous? Pourquoi j'aurais peur? Oh bah, je sais pas, parce que quand on va repartir, si vous voyez qu'il y a des... Bref, hein, s'il y a des flics dans les hauteurs, je sais pas. Non, mais puis les flics, on s'en occupera. Bah, puis c'est quoi la raison de la descente? Il y a des gens masqués qui discutent dans une propriété privée? Ok. On a le droit d'avoir des petites soirées costumées. Bah oui. Je sais pas, moi je dirais que c'est un peu... ouais, bah après chacun fait comme il veut. Bien sûr. Voilà, du coup on vous a ramené 15 000. D'accord. Comme convenu. Vous voulez que je remette tout? Bah je vais vous laisser... je vais vous laisser vérifier la marchandise. Elle est où? Elle est dedans. Dans la mule. Deux mille de série. Ouais, c'est parfait. Bon, ouais. Ok, bah je vais commencer à en prendre d'ailleurs. Ouais, bah si tout est bon, on peut commencer à travailler là, Hermano. Allez hop, on va faire les... Allez les prospects, on prend en charge. Ah mais là on est comme des cons, non? Quoi? Ah non, non ça passe. Non, non, ça passe, ça passe. Trop la flemme. Ici aussi, il est vide le gris. Ok. Celui-là, les vides. Ah ouais, désolé, désolé. Là, je mets tout dans un seul et même truc. Il va être bon au moins le coffee. Donc peu de temps. Bah on est beau. On est bon là. Regardez bien que vous n'ayez pas oublié dans vos poches et puis c'est bon. Bah normalement tout est beau pour nous. Ouais c'est tout bon pour nous. Ok bah parfait. Petite question, vous voulez avoir une discussion avec vous aussi? Ouais. Ouais bien sûr. Vous pouvez nous organiser un rendez-vous avec le Darknet ou pas? Darknet C'est-à-dire? Bah c'est-à-dire que ça fait un mois et demi qu'on est en ville. Ça fait un mois qu'on fait du trafic et du business avec tout le monde. À l'heure actuelle, il y a des groupes comme, alors j'ai pas peur de citer les noms, comme les Ballas, les 410, qui sont affiliés au Darknet. Ils connaissent aucune position, ils ont aucune info sur aucun business, ils ont aucun business. On a le business de l'héroïne, on connaît toutes les positions, on connaît le business d'à peu près tout le monde, on a des contacts partout, on encale tout le monde, et nous on ne contacte pas. Donc ça commence un petit peu à nous chauffer. Oui, ça peut être compréhensible. Après, on peut demander. Par contre, on peut rien promettre. Parce que nous, c'est-à-dire que les 410, ils ont envoyé un SMS pour nous, ils leur répondent pas. Nous, ça devient problématique parce qu'en fait, on n'a pas de QG, on n'a rien. Donc, pour le stocker, on se débrouille comme on peut. On fait du business avec tout le monde, on fait marcher tout le monde, etc. Et franchement, on est plus en place que les derniers groupes qui ont été affiliés, quoi. On est armés, etc. Donc, on ne comprend pas pourquoi nous, on ne contacte pas, quoi. Est-ce que tu as bon contact avec la Nora ou pas? On n'a pas de contact avec la Nora. Je pense qu'il faut que tu commences par là. Ouais, c'est peut-être ça. Blanchir un peu d'argent. Nora, le seul moyen de les voir, c'est d'aller à l'Asgard. Bah non, non. T'as un numéro? Non, on n'a pas de numéro. On les a jamais croisés parce qu'on va pas à l'Asgard. Mais si tu veux, je te file leur numéro. Ouais, bien. Après, les informations comme ça, on peut pas les donner gratos, hein, mais... Mais j'ai leur numéro, ouais, 5000, je te file ça, quoi. Alors, Almano, il y a quelqu'un qui a 5000 en salle, là, ou pas?
Non, moi j'ai rien sur moi. Attends, vite fait. J'ai un petit. Ouais. Je pense qu'il faut que tu commences par eux, parce que eux, j'ai l'impression qu'ils ont des bons contacts avec. En fait, le problème, c'est que la Nora, j'entends bien de passer par eux, mais blanchir, ça sert à rien. On va pas se mentir, on est tous d'accord là-dessus, je pense, pour le dire. Et c'est pas méchant envers la Nora, mais qui a envie de blanchir à l'heure actuelle dans le monde du crime? Tout s'achète avec de l'argent sale. Ouais, mais en vrai, tout s'achète avec du sale. Nous, le truc, c'est que nous, on fait pas du tout de civil. Donc nous, quand on a besoin d'argent propre, on est obligé de blanchir. Bien sûr. Nous, je pense qu'on est pas, enfin, on est un peu particulier là-dessus. Attends, deux secondes. Je croyais que je criais très fort. Pardon. Non, nous, on est un peu particulier là-dessus. Nous, on n'a pas de job civil. Donc forcément, nous, il faut absolument qu'on blanchisse. Et c'est pour ça que nous, on a bon rapport avec la Nora. Donc, à vous de voir. Hein. Trouvez peut-être nous. Bah, et puis, on ne blanchit pas non plus beaucoup, hein, tu sais. Hein. Ils ont un minimum et on le fait. Et puis, voilà. Le problème, c'est que là, je peux faire un état des groupes avec qui on a des contacts. Bah, je crois qu'il n'y a que la Nora et Chris, ce n'était pas le cas. Parce qu'il y avait les Paoli, ils ne sont plus là. Il y avait les Chinois. Bon, il y a toujours les Chinois, mais le problème, c'est que les Chinois, ils veulent pas passer par le DPM. Donc, le problème, c'est que, vu que nous, on n'est pas affiliés, ils nous considèrent comme DPM, même si on ne se considère pas comme DPM, vu qu'on a un business. On a contact avec les 410, avec les Ballas, on a contact avec les Deville Ripple, on a contact avec vous, on a contact avec anciennement l'Omelta, maintenant la BMF, les GSI, l'Ombre. On fait du business. Après, et personne vient nous voir. Est-ce qu'il faudrait. Alors, moi, si jamais il me demande, je toucherai de boss, il n'y a pas de souci. On va vous filer le contact de ça, mais est-ce que ça vaudrait pas le coup que vous fassiez des actions qui soient un peu visibles en ville, genre une banque, un truc comme ça? Ouais, aussi. Nous, en fait, problème, on. C'est pas la base de notre groupe, en fait. C'est, vous voyez, un peu comme vous, c'est l'anarchie, c'est ces choses-là. Vous avez vos credos, nous, on a les nôtres. En fait, nous, les supérettes, les banques, c'est pas fait pour nous. Nous, on est des businessmen. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Dans le sens où on veut faire marcher le business de l'héroïne pour tout le monde. On veut donner des plans à tout le monde. On dit pas qu'on va pas se taper avec d'autres groupes. C'est pas ce qu'on dit. Si demain, on a envie de se taper avec un autre groupe, on ira sur un autre business. Mais en fait, notre but, c'est de faire tourner, que ce soit les PM ou comme les plus gros groupes, en fait. Et à l'heure actuelle, c'est ce qu'on fait. Mais derrière, on a rien. Pas de contact que dalle. Ok, bah, écoute, on va essayer, on va rentrer en contact avec, on va voir ce qui est dit, quoi. Après, je pense que si on n'est pas les premiers à parler de vous, ils vont peut-être se bouger la nouille, hein. Ouais, il y a déjà les 410 et les Ballas qui en ont parlé de nous. Sachant que les 410 et les Ballas... Les Paoli leur avaient parlé de nous. Ouais. Et 410 et Ballas, c'est peut-être pas assez gros groupe, tu vois, même s'ils sont affiliés, peut-être que... Ah, le problème, c'est qu'avant que les Paoli parlent en éclat... Paoli, ils ont parlé de nous en mode ils nous parrainaient, en fait. Et oui. Ils poussaient pour que nous, on soit fiers. Et le truc, c'est que nous, on a récupéré le business des Paoli. À l'heure actuelle, on a sur l'héroïne, on a la carte, on n'a pas de nouvelles. Alors qu'il me semble bien que le Darknet, à partir du moment où on a une carte, ils prennent des news avec nous, quand même. Normalement, oui. Ah, ça fait une semaine et demie qu'on a la carte. Après, c'est pas pressé. En général, c'est un peu chiant, ouais. Enfin, ça, je t'avoue. C'est mais un après, peu chiant, oui. Mais les Ballas et les 410 qui sont arrivés à appeler nous, ils sont déjà affiliés. Mais c'est après, j'en sais rien, je suis pas. Ouais, mais tu sais, c'est du gang de rue, c'est visible, tu vois. Ouais. C'est ça. Je pense que c'est ça le truc. Vous, comme vous êtes plus dans l'ombre, c'est plus compliqué, ouais. Tu vois, comme Varadero, tout ça, je pense pas qu'ils soient affiliés encore. Je sais pas. Je sais pas. Du coup, je vous donne le numéro du blanchiment. Ouais, on n'a pas de quoi de payer là. Vous n'avez pas de coup, ouais. Bah... Oh, écoute, la prochaine fois, tu me prends ta roue. Ouais, c'est ça. Tu donnes le cal. Ouais, tu réponds bien. Après, il y en a un autre qui m'a pas mal appelé, je sais plus comment. Mais par contre, je crois que c'est James. Comme tu. Moi, j'appelle toujours Wyatt, j'ai jamais de problème là-dessus. C'est vrai que Wyatt répond. Bientôt, alors... je laisse un message. Alors, c'est le 255. Si. 134. 68 46. Ok, bien, gracias. Et au moins, ça peut peut-être être bien au moins que vous vous présentiez à eux et que vous, peut-être même vous pouvez en parler de votre sujet et tout ça. Et si vous avez un petit 300 000 de ça à blanchir, ils seront contents. Un peu. Après, j'avoue que nous, le sale, on l'utilise plus pour le. Ouais, on le blanchit pas, nous, en fait, parce que à côté, on a des jobs dans le civil. Donc... Non, mais je sais, mais. Et faites un petit. Ils demandent pas des grosses sommes, attention. Hein.
Il préfère une petite somme régulière que des grosses sommes une fois tous les 6 mois. Quoi. Oh, j'entends bien. Et ça permet d'un peu discuter avec tout le monde, vous verrez. Oui, oh, et puis eux, ils sont assez... ils connaissent tout le monde, hein, vraiment pas mal. Bah, je vous avoue que c'est le seul groupe avec qui on n'a pas de contact, quoi, parce qu'on les a jamais croisés ou alors on n'a jamais forcément parlé de business, je pense. Ouais, d'accord. Par contre, deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Du coup, les Barras, vous avez une bonne... vous entendez bien avec ou pas? Ouais, bien. Ok. Non, parce que nous, ça fait une fois ou deux où on leur vend votre héros. On le vend un tout petit peu plus cher que ce que vous nous l'avez vendé. Du coup, la prochaine fois, on va peut-être leur demander s'ils veulent passer directement par le fournisseur. Est-ce que ça vous va ou pas? Ouais, nickel. Okay. Ça nous va. Mais tu m'as dit que tu leur revendais un peu plus cher. Au lieu de vendre 50, nous, des Paulines, nous la faisait à 50. Donc nous, on est resté sous cet arrow-là, et nous, on la revend à 55. C'est ce qu'on fait souvent pour tester un peu les petites mains, avant de les présenter au fournisseur final, quoi. Ouais, parce que sinon, c'est compliqué, quoi. Sinon, vous envoyez n'importe qui, vous tombez sur n'importe quel cake qui fait de la merde. Ça marche, gracias en tout cas. Gracias. Voilà. Et du coup, la deuxième petite chose? Rien à voir, vraiment. Votre mule, vous l'avez acheté comme ça, là, ou vous faites une entreprise? Non, on l'a acheté comme ça. Ok, super. Ça nous arrange. Une auto pour 100 000, je crois, là. Ouais, je crois que c'était 100 000 $. Ok, d'accord. Il y a des custos sur les mules? Je pourrais pas te dire. Du coup, il y a des stickers de merde. Ah, je vous conseille de faire les perles, hein, parce que vu comment ça se termine... Okay. Écoute, t'as vu ce qu'on a, là? Je crois qu'on pourrait pas faire pire. Ouais, c'est pour fou. Ça, là, faut qu'on investisse. Là, parce que à venir avec trois trucs qui se traînent, autant n'avoir qu'une. Tu vois. C'est pas faux. Ok. Bah, merci. Voilà. Bah, merci à vous. Et bah, merci à vous. À la prochaine. Et puis à la prochaine. Ouais, salut à vous. Bonne soirée. Ciao. Je suis derrière vous. Derrière moi. Oui. Bon, ça devrait être un peu plus rapide pour rentrer, mais faites attention à pas rouler bizarrement, ok? Ok. Putain! Alors, bizarrement, ça inclut aussi de pas rentrer dans le cul des autres, hein? Ouais, je fais ce que je veux. C'est pas parce que t'es chèque que tu dois tout faire, hein? Par contre, il y a tout le monde qui a de la coque, enfin de l'héro dans son van ou pas? Non, il n'y a que le van bleu. Non, il y a aussi le jaune, je crois. Non, j'avais tourné dans un seul van. Ok, les deux premiers vans, vous allez partir comme des connards devant, si vous avez rien sur vous. Ah non, quoi, vous avez vos radios, laissez-moi tomber. Ouais, t'inquiète, de toute manière, on fait juste... Non, mais comme ça, ça faisait... comment ça s'appelle? Un appât. Ah ouais, je veux. T'as par contre 100 000 de mules, va falloir y réfléchir. Hein. Ouais, mais bon. Après, pour aller à... comment ça s'appelle? Pour aller au labo, ça sera 10 fois plus pratique. Hein. Bah non, mais c'est pour ça. Genre, tu vois, on en prend une qu'on met dans un parking. Et du coup, on s'en sert juste pour faire l'aller port, parking et parking oui, labo. Moi, c'est... Et une qu'on met chez nous. Comme ça, bah, pour les livraisons, on a ça. Exactement. Ça fait deux, après... ça fait 200 000. Hop là, next. Ouais. Après, j'ai déjà une pour le labo, quoi. Ça, c'est obligatoire. Ouais, c'est clair. Sinon, on va trop en chier. Bon vas-y, on va lancer le labo et puis après on va faire de... j'ai envie de faire de la merde. Ouais.
On verra après un tournant de poste. C'est quoi ça? C'est qui lui? Je vais aller voir qui c'est. C'est qui? Oh! Non. T'es qui toi? Ah putain! Oh merde! Oh non! Oh mais non Nikita! Ah non! Non merde, tu l'as tué? J'ai bugué le prospect! Il était tout neuf! Oh waouh! Ça tue des prospects! Bon bah écoute, on va te traîner devant! Hein. Ranger les minivans! T'as dit quoi? J'appuie sur sa balise. Votre coffre est vide, rangez les vannes. Et t'es qui en fait pour me donner un ordre, connard? C'est vrai. Tu te demandes gentiment, pouvez-vous, si votre coffre est vide, rangez le coffre de la voiture, merci. N'oublie pas, on ne donne pas d'ordre entre prospects. Ça fait Nikita. D'ailleurs, Nikita, il a pas son bonnet d'âne, j'ai le fumé. Bon, les prospects, vous reprenez la préparation pour le labo et je veux qu'on ait tout, qu'on amène tout au labo. Ah putain, Nikita. Allez, aidez Franck pour décharger par contre Prosper. T'inquiète pas, prospect, j'ai envoyé comme message, j'ai roulé sur une merde. J'espère que ça va te plaire. Peut-être que je te pisse un peu dessus. La today. La today. Il se baisse de réveiller déjà. Là, il y a vraiment pas d'excuses. Hein. Bon, je reviens. J'ai pris juste un zoom de photo, puis c'était alors j'ai calculé, du coup, dans un van de 600 kg, on peut mettre 4000 graines de coca et 40 de chaque, donc les bouteilles d'essence, fertilisant, peau et terre, comme ça fait des kits complets par van. Ok. Je répète, s'il te plaît. Donc 4000 graines de coca. Tu veux mourir, prospect? Tu veux mourir? Ouvrez les vannes, du coup. Par contre, on prendra pas de paroulage pour aller sur le labo. Il est trop vite vu. Enfin, il est trop vite vu. Juste prendre le yoga et le speedo. Dans ce cas, ils font des allers-retours au pire. Allô. Allô monsieur, attendez. Au revoir monsieur. Bonjour monsieur, vous avez appelé pour les services des urgences? Ouais, c'est ça, ouais, j'ai écrasé un prospect sans le vouloir. Un prospect? Ouais. Ok, écoutez monsieur, vous êtes situé où là, dans le nord de... Vous êtes dans le sud, dans le nord? Dans le sud, je suis en 90-05, c'est Nathan des Mid-Sud Brothers, on est notre QG quoi. Ça marche monsieur, est-ce que vous pouvez... Alors on arrive, hein, on a une ambulance qui va venir sur place.
Est-ce que vous pouvez juste me dire si la personne a respiré, monsieur? Elle est consciente ou pas? J'ai pissé sur sa tête, ça fait des bulles au niveau du nez, donc ça respire, oui. Ok, vous avez pissé sur la tête du monsieur, monsieur, mais... Ok. Est-ce que vous pouvez faire en sorte de... vérifier qu'elle continue de respirer le temps qu'on arrive, monsieur? Hé, hey, prospect! Ouais, ça va, ça respire. Ok, d'accord. Est-ce que vous savez si le prospect il a des antécédents médicaux, monsieur? Il est super con. D'accord, est-ce qu'il a un bonnet d'âne, monsieur? Normalement, il devait en avoir un, mais là, il l'a pas mis et je vais l'éclater, ouais. D'accord, ça marche. Ok, on arrive tout de suite, monsieur. Vous me le maintenez en vie, monsieur. Vous me maintenez, je compte sur vous. Ouais, on va voir ça, ouais, je sais pas. Allez, monsieur, j'arrive. Ouais, salut. Mais ça m'a demandé de maintenir le prospect en vie, je sais pas ce que je dois faire. Lui dire que tu l'aimes, hein. Arrose-le comme les plantes, peut-être. Ouais, faut le dire au chaud, faut pisser dessus, là, c'est comme les méduses. Mais j'ai déjà pissé dessus. Vas-y, saisis avec du pipi. Bah, de la bière chaude, alors. Putain, mais tu crois que si qu'on l'asperge de bière, ça lui fera peut-être... Faut le mettre dans le frigo. Ah ouais, et... Par contre, il faut le garder en un seul morceau, on peut le découper, parce que je crois pas qu'il reste tout seul d'un seul tenant. Bah, dans les frigos, après, ça se maintient, on recolle. Ah, c'est pas con ça! Je cherchais la scie. Prospect, amenez-moi un frigo! Il y a des frigos, mais ils sont pas branchés. C'est pas grave, c'est un frigo, on a pas dit qu'il fallait qu'il fonctionne, non? Ouais, un frigo, c'est un frigo, ça tient le froid quand même, hein! Il restera à température, regarde les bières, elles sont bien bonnes! Il y a une machine à laver, ouais. Ouais, machine à laver, ouais. Ah, elle faisait rentrer par son cul, normalement ça passe. Par contre, il s'est fait shooter parce qu'il avait pas son bonnet d'âne, c'est tout. Mais il avait pas son bonnet d'âne, j'avais pas qui c'est. On pourrait partir à la plage faire les achats, par contre on pourrait sortir les deux surfeurs et les remplir avec la coca, parce que du coup, il faudra trois vannes en tout pour y retourner. En plus, des deux. Non, on prend pas les autres parce qu'ils sont trop repérables. Ouais, c'est le speedo et le yoga, ils sont gris, ils sont passe partout. Appelez-vous s'il vous plaît, parce que là j'attends plus rien. Monsieur, bonjour. Ouais, salut. Je l'ai battu en vie, vous m'avez demandé. Mais je parlais pas. Attendez, je vais laisser mon collègue écarter. Mon collègue va monsieur, faire. Bonjour. Ouais. Venez avec moi, monsieur, je vais prendre des infos. Je vais le. Ouais. Bah, dis donc, vous avez pas peur avec la bite à l'air? La bite à l'air? Vous étiez en train de pisser, non? Ouais. Vous m'entendez, monsieur? Bah ouais, c'est de signe de premier soir, on peut faire pipi dessus pour soigner, ouais. Ah, tout à fait. Ouais. Alors, monsieur, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec le monsieur derrière moi? J'ai vu un connard rentrer chez nous, je me suis dit, putain, c'est qui ce connard? Je connais pas, ça pourrait être quelqu'un, mais enfin, ça pourrait être l'un d'entre nous, mais il avait pas de bonnet d'âne, du coup, j'ai cru que c'était un autre. Monsieur. Du coup, je suis arrivé pour le défoncer, savoir qui c'était. Ouais. Et il s'est arrêté, et je suis rentré dedans. D'accord, ok. Vous avez pas fait exprès, c'est ça? Bah non. Oui, bah bien sûr. Non, mais vraiment, hein, vraiment, là, je sors du sarcasme. Non, j'ai pas fait exprès de rentrer dedans. Okay, j'allais mettre une balle dans le crâne, mais... le menacer, mais pas exprès de rentrer dedans. Wow. La vache. Alors, monsieur, qu'est-ce qui s'est... Bien toute bienveillance, hein. Tout à fait, ouais. Ouais. Ah, monsieur, vous dites quelque chose. Je crois qu'il est passé à notre hôpital tout à l'heure. Ah ouais? Il avait un bonnet d'âne, non? Ouais, normalement, il doit avoir un bonnet d'âne, ouais. Et on lui a dit de passer chez vous pour des séances de consultation psychologue. Il l'a eu? Ouais. Et il en est sorti quoi? Écoutez, je peux pas vous. Secret médical, je peux pas vous le dire, c'est à lui de vous l'annoncer. Eh, prospect, c'est bon, t'es con ou pas? Ouais, ça y est, j'ai même le droit de plus travailler, ouais. C'est qui ton tuteur? Ils ont pas demandé. Attendez. Okay, monsieur, je crois qu'on va devoir vous emmener à l'hôpital pour vous soigner un petit peu plus de votre chute. Hein. Tiens, toi, je te montre. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est incroyable. Ah oui, je vois le certificat. Ah merde, c'est pas toi que je vais le montrer. Attends, rends-le-moi. Oui, tenez. Tiens, c'est toi que je vais le montrer. Inaptitude au travail, inaptitude. Bon, monsieur. Non, mais c'est pas. Putain, mais t'es con pour tout, ouais. T'es con, tu dois être inapte à la vie, putain, faut qu'on t'ait un tuteur, merde. Exactement. Quoi? Mais on est tous inaptes à avoir un port d'armes, t'es trop con, putain, mais... Ouais, amenez-le. On est retour dans terre.
Amenez-le. Monsieur, venez avec moi, mon chien. C'est pas moi qui remplis le papier, hein. Venez, on peut vous soigner qu'avec à l'hôpital. Et faites-le voir à psy pour prévoir qu'il est débile. Si besoin, je peux intervenir. Ah. Allez-y, monsieur. C'est parti. Oh, dis non, raquette. Putain, j'en peux plus, il est vraiment super con. Quoi? Il devait faire une visite médicale psychologique pour dire qu'il était inapte inapte et qu'il ait besoin d'un menteur, un tuteur, tout ça. Ce connard-là, il s'est juste mis inapte au travail et au permis de port d'armes. Oh, il est débile, mais il est débile. Genre envie de l'enculer, ouais. Il est vraiment Dikita. Putain, mais lui, il va te cette prospé ultime, hein, parce que putain, à chaque fois que tu dis qu'il peut pas être pire, il fait pire. Ouais, il y a une bagarre sur la ligue de nullité entre Tipol et lui, c'est fabuleux. Moi, j'ai le meilleur. Pourquoi tu rigoles? Ouais, bravo Tipol, t'es vraiment trop fort. Ouais. Pas, on va prendre une médaille dans la classe. Nul. T'es le premier en partant du bas. Ah non, t'es le premier des derniers, bravo. Dita. Ah ouais, ouais. De loin. Mais au moins, t'as un pote, t'es pas tout seul, ça c'est cool. Alors, les gars. Touk, on va partir à deux... Yelga. .e.s. C'est vrai. C'est dur pour une russe, putain. Donc, on va partir à deux minimum par van. Plus un qui va partir en amont pour voir s'il y a quelqu'un. Mais le problème, c'est que c'est tellement gouré les motos. Oui, bah, si, oui. Et on part pas en même temps, en plus, tous. Hein. Attention. T'en penses quoi, Nathan? Moi, vu qu'on est pour l'instant plutôt clean là-dessus, personne ne sait qu'on a ça, moi je serais comme tout à l'heure, on part un peu en avance, on vérifie qu'il n'y a rien avec les motos, les prospects arrivent avec les vannes, ils font des allers-retours. Et puis, il y a un d'entre nous, il a la carte dans sa moto. Non, et puis une fois que tout est ramené, il y en a un qui fait un aller-retour pour avoir la carte et voilà. Franck, je pars de la plage. Ok. Bon, bah écoute, let's go, hein. Et non, mais après, c'est. Si t'as un plan, tu choisis. Enfin, moi, j'ai proposé ça après. Moi, je suis d'avis, tu pars en avance. Mais toi, t'es quand même vachement récupérable avec ta crête. Mais tu fais attention, ok? Ouais. Faire n'importe quoi. Je pars avec Alibili. Ensuite, Bar et. Et Tipol partent aussi. Quoi? Toi, tu restes dans le. Rabot, tu vas nous aider à décharger. Et genre. Il nous faut même pas 5 minutes pour décharger. Après, nous, on repart. On pense que Franck l'a ramené. Et je prendrai la carte à ce moment-là. Ça te va ou pas? Parce que là-bas, il y a un coffre qu'on peut mettre dedans des trucs. Oui, mais tout le monde est ouvert à tout le monde. Ah, ok. C'est le problème. Tu vas voir, tu vas comprendre quand tu y seras. Globalement, je prends le rien et je fais des tours pour voir s'il y a personne, quoi. Ah, je peux faire ça, Après, tu te mets à un endroit. Non, je veux faire. Ouais, t'inquiète, on a fait des repérages avec le pacifier la dernière fois. Ok, tu te mets à un endroit. Tu vas déjà checker s'il y a personne. Une fois que c'est fait, tu te mets à un endroit et comme ça, nous, on fait des allers-retours, ok? Allez, j'y vais, ciao les daz. Ok. S'il y a un truc qui se passe mal, c'est lui, comme ça on pourra faire boubou, c'est pas bien. Par contre, ça sera un prospect, et ben on pourrait lui fracasser sa tronche. Comment ça, je branle rien, prospect? Non, t'as le droit de rien branler. Comment ça, j'ai le droit de rien branler? C'est important, la sécurité. Ouais, c'est la sécurité. Ouais. Bah, je vais chercher un van. Ouais, j'aime mieux ça, ouais. Ça fait un mois qu'on est là, hein. L'Arknet nous a pas contacté. On fait du civil, et du coup, on a pas besoin de blanchir, mais personne ne nous contacte, Bah oui, c'est oui, j'ai pensé ça. Allez.
que quelqu'un peut ouvrir les impôts, s'il vous plaît. Putain, l'enfer. Est-ce qu'il y a des touches qui permettent? Ok, t'es bon, il en attend ou pas? Ouais, c'est beau, j'ai vu surtout. Ok, pars avec Billy. T'as bien une arme avec toi quand même? Toujours. Ok, parce qu'il y a un bateau à côté, mais je sais pas si t'es là avant depuis toujours ou pas. Un gros bateau énorme? Non, non, bateau genre Zodiac. Ça je sais pas.
Ah ouais. Je vois quelqu'un qui arrive sur le... Ah oh, putain, attendez. Y allez pas tout de suite. C'est-à-dire ? Je vois un postier obèse qui est en train de faire je sais pas quoi. Ok, étrange. Après, tu peux peut-être aller le voir, hein. Ouais, peut-être éviter de le mettre... de lui parler. Et un comportement bizarre, je t'avoue, je sais pas si c'est un concitoyen ou un mec à deux fils qui se sont touchés. D'accord. Après, si tu veux, je peux y aller, mais du coup, j'arrive pas, je pourrais pas vérifier. Ouais, je pense que c'est un concitoyen qui a pété un câble. Que j'y arrive. Les balles, en fait, c'est 10 049 au fond. Ouais, il m'a dit, ouais. Du coup, quand t'arrives, vérifie quand même le mec qui est sur la... qui est au niveau de l'eau. Bah, du coup, c'est Franck qui va conduire, comme il est déjà... il connaît un peu plus. Là, tu vois, il y a un mec en bas, là. Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce qu'il branle. Et t'as vu le bateau du coup dont je te parlais? Ah ouais, c'est chelou ça parle. Ben allez-y, vous pouvez décharger, je guette. Je vais devoir une voiture blanche qui arrive par derrière. Attendez, putain, mais c'est chelou, je sais même pas si c'est un concitoyen aussi ou pas. Tu me dis si ça remonte ou pas. En fait, elle est passée derrière le véhicule. Il y a quelqu'un qui arrive derrière, ouais. Il y a quelqu'un qui se bloque à côté, ouais. Il faut qu'on se ramène tous alors. Qu'est-ce qui brûle? Ouais, prenez des armes et revenez, prenez des armes, ouais. Moi je reviens aussi au camp. Mais prenez des armes et putain venez, merde! Oh non, ça a planté, non.
Est-ce qu'ils veulent négocier ou quelque chose, Adia? Il n'y a rien du tout. Ils veulent juste prendre et se casser? C'est bon, c'est pas trop, ils m'ont rien dit. Vous êtes tous les deux armés? Je peux l'avouer, les baisers. Hein. Oui, on est tous les deux armés. Ok. Ils sont combien? Ils sont combien? Ils sont deux. Ah bah, on arrive. Allez-y, Prosper, allez sauver Adia. J'arrive. Ah, t'es où, Adia? Je suis de l'autre côté. En fait, ils m'ont fait sauter et prendre l'eau. Je me suis reçu de l'autre côté. Et ils se barraient, ils ont rien pris? Attends, je regarde. Quoi? Ils ont dit non, elle a juste un SNS, on va pas se rabaisser à ça. Non, ils je ont... pense que. Mais après Billy, elle a eu un mal de crâne, je pense. Ah, parce que ouais, t'étais avec Billy normalement. Oui, oui, il y avait Billy, mais elle est plus. Ok, bah vas-y, vérifie dans allez, le camion si reste des trucs. Vas-y, on vérifie, on se casse. Allez, ils ont pris ou pas? J'ai rien entendu, Adia. Non, y'a raison, rien pris. Ok, bon, on se casse. Retour quand on squatte. Nathan, prends Franck, s'il te plaît. Et Val, tu attends que Billy revienne, elle a du mal à voir mal de prendre. Non, toi tu rentres avec la cargaison et puis nous on va attendre Billy. On doit pas un qui va avec la cargaison pour qu'il se fasse stopper en route. Je suis à côté de l'agent. Tipple, tu vas suivre Adia, tu te synchronises avec Adia pour sécuriser le convoi. Ok. Avec Bal on va faire des tours pour sécuriser le convoi et voilà. Je pense qu'il pensait qu'on avait la carte. Bah ouais, mais ça casse les couilles ce système de cartes. Bon, on va la revendre, hein, ça sert à rien, putain. Ouais, non, mais là, c'est de la merde. Agnès, t'es dans le rampo, juste pour savoir. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Reste derrière moi, c'est mieux. Putain, première fois qu'on va là-bas, on essaye de nous la toper, mais vraiment, franchement. Hein. J'ai fait extrêmement attention, etc. Personne nous a suivi. Donc c'est que quelqu'un a cramé déjà la peau depuis longtemps. Le labo, il est... Ouais. Mais tous les labos sont spotés depuis 20 ans, ils ont jamais changé de place depuis 25. On va faire des cambriolages pour reprendre SPD. Non mais c'est pour ça, c'est franchement, c'est on va voir, on va en faire une AG à ce propos, hein, mais. On est arrivé au campement. Ok, nickel. Nous on fait des tours, on attend Billy. Vous avez eu le temps de rien décharger du coup? Ah non, j'en étais au premier tour. Mais c'est un enfer. Hein. Non, mais c'est de la merde, hein, je te le dis, là, ce système, moi je peux pas. Hein. De quoi? Oh, bah, en fait, tout le monde peut rentrer dedans. Bah ouais, t'as vu? Non, je sais pas du tout, je sais pas comment ça se passe. Bah vas-y, va à l'intérieur, tu vas voir. C'est fabuleux. En gros, c'est soit tu viens en convoi et voilà. Comme ça, s'il y a des mecs qui sont deux ou trois comme c'est ça, tu les pètes. Vas-y, rentre, passe par la porte et tu verras tout. Ou alors tu vas. Je sais même pas quelle.
C'est bon de votre côté, Nathan? Ouais, on attend Billy, ouais. Moi, j'arrive un peu en moto, je traînais autour, moi aussi. Il y a Nikita à aller chercher à l'hôpital. Ouais, bah va chercher Nikita à l'hôpital, alors. Ok. T'as vu, c'est... Le coffre, il est en open source. Ouais, j'ai pas vu ça comme ça, ouais. Ouais. Ok, ouais, c'est vraiment... En vrai, c'est... Je pensais qu'il fallait la carte pour rentrer dans le truc. Non, même pas. Bah, franchement, vaut mieux continuer à faire ce qu'on fait pour la roue de la vraie, même si ça casse les couilles, tu vois. Bah ça, et puis en vrai, la cocaïne, on l'a fait chez nous. Puis voilà. Tant pis, ouais. 50% de perte, mais au moins, ça tourne dans notre coin, ça nous fait pas chier. C'est que pour nous, en vrai, ouais. Bah ouais. J'ai demandé au Darknet si on peut revendre la carte, ça sert à rien, et puis c'est tout. Ouais, franchement, on va peut-être faire ça. Hein. Je vais te bosser pour elle. Ça me fait chier de bosser pour le Darknet, je sais que je vais bosser. Bah ouais, mais déjà ça fait chier, mais en plus ils ont un système de merde. Ouais, non, c'est plus la merde. Et ils ont rien dit sur qui c'était, ce qu'ils voulaient. Rien du tout. Juste salut, saute. En gros, ils ont regardé ce que j'avais dans mes poches. À mon avis, ils étaient à la recherche de la carte. Ils ont vu que j'avais un SNS, ils ont dit on va pas s'abaisser à ça, ils sont barrés. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que là maintenant, tu te mets là, parce que là, il n'y a plus d'accès. Il y a tout le monde qui vient, on décharge tout en 10 secondes. On lance la production, on se barre. Mais du coup, en fait... Bah non, mais parce que même si on se barre, ils peuvent récupérer la production, en fait, obligé d'être tout le temps devant. Quoi? Ah non, plus la... Ah ok, d'accord, non, c'est encore pire que ce que j'imaginais. Bah non, ouais. Non, on leur vend, mais 10 centimes, hein, pas les couilles. <C'est>... Ouais, on vous... En plus, quand il y a le dernier qui s'est passé, c'est... Ouais, on vous offre la carte, parce que... Pour ce que vous avez fait, tout ça, ouais... Ah non, pas les couilles. On leur vend, c'est nul à chier, ouais. C'est... Autant le faire chez nous. Non, mais moi, je suis presque pour qu'on fasse une réunion, tu vois, entre... les groupes là, et on la met en vente, quoi. Voilà, on la met aux enchères. Voilà, qu'est-ce que vous proposez pour la carte? La carte de ses morts. Ça va. Mais non, mais voilà. faut peut-être demander aux Darknet avant s'ils sont d'accord, hein, mais. Bah, on s'en bat les couilles. Bonjour, vous voulez du bise? Ouais, et bah, on a un bise à vous donner. C'est trop de la merde. Allez. C'est vraiment de la merde, allez, cassez-vous. Voilà. Alors, moi, je propose 10 000. Non, mais j'en ai rien à foutre. Non, tiens. Musique. Ouais, file-moi à Mars. Fais un pogo. Ah, bah voilà. Et le dernier debout, il gagne la carte. Bon bah les couilles, c'est gratuit, c'est offert, c'est le plaisir. Hein. Alors Belle, toujours gna gna gna, je veux un bis, gna gna gna. La rue, alors tu veux un bis. on va le proposer à la rue Lavraise, bis, tiens, comme ça ils ont... En fait, le vrai problème, c'est que à partir du moment où c'est spoté, ça devrait pouvoir être changé. Mais là, ça fait. J'ai l'impression que tout le monde, en un mois. Bah, je trouve ça hallucinant que la roue de la vraie, en un mois, ils savent tout. Non, mais. Il y a un problème. Mais de toute manière, déjà, avec le fait que, avec ce système-là, on devrait plus savoir à s'inquiéter des flics que des autres mecs, quoi. Ouais. Les flics, on s'en branle en ce moment. On s'en bat les couilles. Bah, de toute façon, ils sont trop occupés à aller boire des verres à l'Asgard. Ça va, Billy? Pas trop de problèmes? Pas trop non. Billy, on se casse. On a trouvé autre chose à faire, viens, on se casse. J'espère que ça t'a plu le labo, allez, salut. T'as aimé? Parce que c'est la première et la dernière, hein. Ah bah nous, on t'entend, viens. Monte. Viens. Monte. Toi, Billy, là-dessus. Là. Là. Eh ben... Toi, là. Eh ben, demoiselle, t'as une carte bleue. T'as une carte bleue de la menthe. T'as une carte bleue. Putain, j'en ai marre. Putain. Billy. Bon, Billy, on te laisse là. Y'a des mecs en blanc qui vont venir te choper. Dans les poubelles, t'as bien raison. Mais arrête, tu dis pas qu'il y a des mecs en blanc qui veulent choper, ça doit rapporter des trucs pas cool chez elle. Et j'ai compris. Bah des mecs qui se déguisent en photo, mais... Oui, voilà, oui, mais t'as pas les
Bon, Billy est apparu, Billy est disparu. Bon, on attend Billy. Reviens, Billy. Non, on lui fait visiter le labo une dernière fois. Ah, mais en pur. J'ai proposé à Nathan quelque chose pour la carte. On paye les gens pour qu'ils récupèrent la carte. Ouais, non, on fait un pogo général et le dernier survivant, il peut gagner la carte. En vrai. Ah, mais par contre, droit d'entrée, 10 000. Tant qu'on récupère un peu de sous, quoi. Bah, après, tu me diras, on s'en fout, non? Un petit tips, ouais. Il met un petit tip. Non, mais on fait donation libre. Comme ouais, ça, celui qui met 1 dollar, il l'a. Bah, je veux plus bise comme ça. Ça me fait chier déjà de bosser. Alors, si c'est en plus possible dans ces conditions. Non, mais oui, c'est de la merde. C'est vraiment. Si tu fais une bonne manifestation prochaine fois, on te donne la carte. Parce que les cartes, on peut les acheter. Normalement, on les achète. Bah, ouais, mais c'est nous qui faisons les manifs, pas les autres. Non, mais je sais pas, soit les mecs, ils fassent aussi du bordel, tu vois. Pas genre, ils ont le chez eux, se toucher la nouille pour une fois. Vu les SPD, comment c'est des blaireaux, on va. Vu les SPD qui dit comment c'est des blaireaux, c'est eux qui foutent le plus de bordel, on va devoir leur donner la carte. Super, le Daphné, j'ai envie de les enculer. Ouais, vous avez vu, on fait bien tourner les business. Il y a 3 mecs qui ont vendu, c'est trop fort, plus que la semaine passée, ouais. Surtout entre lundi et jeudi, quoi. Bah non, mais maintenant qu'il y a les balas et le bloc 13, tout ça, ils font des vrais trucs. Ça doit leur changer, ouais. Parce que, ouais, ça change des mecs qui ferment. À la ferme. Bobo, le Darknet, tu connais pas. Bobo, on n'a pas besoin de faire de branchement, parce que de toute façon, on a des jobs civils. Bref. Ah putain, tu m'as fait peur, je t'ai vu disparaître. Oh non! Belle, tu peux venir ouvrir la porte, s'il te plaît, je suis coincé. Par contre, il y a un truc quand même, parce qu'apparemment, la cocaïne, ça fait très longtemps qu'elle tourne pas. Ah. Pourquoi les mecs, ils sont là ce soir? Ça s'appelle un pic de moustique et moi je suis très content. C'est vrai? J'en sais rien. Je vais prendre des piqûres, putain, je savais que t'avais un côté chikungunya. Non, mais j'en sais rien, mais. Non, mais en fait, ouais, moi j'ai vu comment ça se passe, je veux plus le labo. Hein. J'étais un des premiers mecs à voter pour avoir ce bise, c'est bon, je retire mon vote. Mais surtout qu'on ouais, on a un labo chez nous, 50% de ce qu'on produit, mais en plus on a même pas besoin de guetter. Et c'est à côté de la maison! C'est juste le problème de Nikita qui pouki que c'est là. Bah, y'a juste à tuer Nikita, mais il se tue tout seul, c'est nickel! Parce que j'ai une question, parce que là, ouais. Ça prend aussi des heures à se produire, à produire. Ça prend autant de temps normalement, mais c'est juste que c'est 100% de rendement alors que là-bas c'est 50% chez nous. Ah putain, ok, d'accord. Non mais alors, Darknet, ils peuvent bien aller se faire enculer avec leur système de merde. On va vendre la carte. Hein. Ouais, c'est pour ça, je en fonction de son. J'en parlais avec... on va faire une AG à ce propos. Surtout qu'en vrai, on a toujours dit que nous, on n'est pas là pour être le meilleur business. Genre, si des gens veulent un business, ils viennent nous en parler. Bah oui. On s'en branle. J'en peux plus. Là, ça me paraît bizarre que des mecs, ouais. Des mecs qui viennent que à deux, je trouve ça trop bizarre. Enfin, pour une telle opération, tu viens pas que à deux. Bah ouais, mais ils étaient deux, elle était toute seule, du coup, Adia, vu qu'il y a eu un problème avec Billy, ils ont dû se dire, ouais, vas-y, c'est bon, ça passe, et... Oh! Ah, viens, on fait! Quoi? Je sais faire du dos. Ouais, je vais peut-être faire une prospect cup, tiens, mercredi, ce serait pas mal. Mercredi. Attends! Bah ouais, comme. Mercredi soir,
T'es là, toi? Oui, t'as... Enfin, d'habitude, putain, mais je suis là. Ouais, parce que comme on devait faire des trucs et finalement on les fait pas, bah, je me dis, ça peut être sympa. Bah, tu sais quoi, puisqu'on devait faire des trucs et finalement on fait pas parce qu'on est en train de... comme deux couillons dans... devant un labo de merde, ouais. Non, non, mais non, mais genre, normalement... Ah, le bâtard. Par contre, les prospects par rapport à l'opération d'intervention pour aider Adia, c'était super, bien joué à vous. Merci beaucoup. Bon, malheureusement, Adia n'avait pas la carte, on aurait une excuse pour se débarrasser de ce business de merde, mais bon, c'est pas grave, on va faire aller. Au moins, on pourrait dire à Liberty que c'est pas là, ça va se faire soulever à n'importe quelle heure. Bah non, mais là c'est une heure normale, mais bon, ouais, se soulever, on vient voir juste le labo, quoi. C'est impossible. Oui, non, mais c'est ça. Donc, soit les mecs, ils attendent là depuis des jours et des heures, soit ils ont une illumination. Mais après, je pense pas qu'ils regardent depuis... Enfin, je pense pas qu'ils ont eu une illumination, parce que sinon, ils auraient vu que je les voyais, mais genre, trop bien, quoi. J'aurais eu un sniper, ouais. Il y aurait eu une tête, quoi. On peut avoir des illuminations, pour être distinctes, tu sais. Des fois, les illuminations, on ne dit pas tout, hein. Ok, moi, je pense que ça intéresse des gens de faire des cambriolages ou pas? Oui, on attend juste que Billy se réveille. Ouais, je me doute, mais c'est pour savoir ce qu'on fait après. Moi je suis chaud, mais juste un et après dodo. C'est pareil. On peut faire un avec tout le monde, histoire de ouais, faire comme si on avait fait quelque chose ce soir. Un speedrun de cambriolage. Parce que, attends, moi, à la maison, des fois on lance... À la maison. Putain. Au squat, on lance des productions de 6 heures, tu vas me dire que tu l'as... C'était quoi ça? On lance des productions de 6 heures ici. Après, j'en sais rien, on n'a jamais pu tester vraiment. Oui, d'accord. Qui? Je vais aller voir la station service. Ouais! Ah! Putain! Tu te fous de ma gueule? Ça fait 15 ans qu'on t'attend, t'attends le seul moment où je suis dans ma tête. Attends deux secondes. Oh. Ah, t'es là! Viens, on se casse. Mais mets là! Dans un coin! Non, viens! Allez, fais quoi le temps ici? Je fais une descente, j'arrive. Bon, j'espère que le labo t'a bien plu. Allez, monte! On se casse. Ah, oh, putain, non! Ouais, non, c'est bon. Oh, ouais. C'est... C'est bon, Billy, on fait retour au squat. Par contre, prospect, tu vas me laisser passer devant. Faut que j'aille au bénéfice, tu sais. Elle a reçu. Ils sont plus là. Oh putain. Ah bah les voilà, c'est... Belle arrivée, bravo. Aïe. Non mais t'as encore tapé Billy, putain. Elle a encore disparu. Elle est où ma grande sœur? Elle est où ma grande sœur? Ah merde! Oh, 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 oh.
C'est quoi, c'est quoi cette bagnole de merde? Ça va? Mais elle est où, Billy? Fais gaffe, y'a ton gun qui sort. Je pense que juste elle est rentrée et pouf pouf. Hein. C'est quoi cette caisse? Elle vient d'où? Mais tu sais, de temps en temps, elle est là. Y'a une espèce de vieux clodo là qui est. Allez! En plus, ça s'appelle une deux classes. C'est de la merde. C'est encore ta Kapuki, Nikita? Quoi? C'est encore ta Kapuki, Nikita? Mais j'ai Pookie quoi? Le labo! Quel labo? Ouais, c'est vrai, c'est bizarre. Je savais même pas qu'on avait un labo. T'as encore Pookie, Nikita? Non, j'en sais rien. C'est pas possible. J'ai même pas parlé aux flics. C'est pas possible qu'on ait encore des emmerdes, sinon ça voudrait dire que ça sent vachement mal. T'as même pas encore parlé aux flics, tu vas pas leur parler, c'est ça? Non, mais c'est que j'ai pas croisé de flics. Donc je ne peux pas leur adresser la parole. Oui, c'est pour ça, donc t'attends de les crever de voir pour tout balancer. Encore une fois. On n'y a plus rien de toute façon. Ah si, on a des trucs. Ah bon. Ben voilà, je savais pas. Donc si on avait des trucs, t'es où? Bah où? Ben là. Billy! T'es pas là. Gonzo, t'es où? Je crois qu'elle a vraiment trop gros problèmes. C'est quoi le film où les mecs ils sont dans l'espace mais en fait ils sont dans une autre dimension là? Ah tiens, je vais l'appeler. Pas, je regarde pas les films. Billy à pied, c'est pour le cardio. Mais t'es où? T'es où? Je vais te chercher. Bon. Ouais, bon. On a un porte-mission. Cocaïne de merde, on va la faire chez nous, et puis basta. Ouais, j'hésite à me dire, est-ce que c'est pas plus simple de la faire chez nous, vu que le coffre il est open source et que tout le monde le mais sait. Mais ça, c'est vraiment sûr, ça. Ça, c'est vraiment sûr que c'est. Ah oui, oui, oui. Gagner 2$ par dose, franchement, c'est chez nous. Oui. Mais comment c'est ça? T'as déjà été vérifié s'il y avait des trucs d'autres personnes? Bah non, mais personne là pour l'instant, la carte. En fait, on est les seuls à avoir la carte, mais. En fait, moi, la question que je me pose, c'est qu'apparemment, la cocaïne, ça fait au moins depuis qu'il y a plus les AP13 que voilà, donc ça doit faire une semaine ou deux. Plus personne sur la cocaïne. Mais de base, comment les gars ils savent comment qu'on est allé? Les AP13, ils n'avaient même pas la carte et bah, j'attendais de voir déjà est-ce que ça fonctionnait de notre côté pour ensuite les prévenir qu'on avait la carte potentiellement. Ah, ils faisaient comment? Bah, ils faisaient rien, on n'a jamais vendu avec les AP13. Oui, c'est vrai qu'on n'a jamais. Il a dit qu'ils s'étaient positionnés dessus, mais plus de nouvelles. Hein. Mais d'autres groupes de personnes peuvent rentrer et prendre ce qu'il y a dans le coffre, vous êtes sûr et certain? Ah putain! Et le mieux, non mais ça complètement, si tu vas et que par exemple il y a de la cocaïne, après tu complètes pas tout ce que tu peut-être pas assez les poches, c'est bon, mais oui, tu prends ce que tu veux. Eh mais attends d'ailleurs, est-ce que c'est un AP13 d'ailleurs? Attends, je vais appeler directement, ouais. Et du moment tu vois, j'aurais eu la carte, ils m'auraient piqué la carte s'ils avaient le labo. Non mais ça j'ai compris ça. Non mais déjà rien que ça c'est nul. Oui, non mais ça je suis oui. Mais bon je l'ai dit hein. On invite des groupes, on leur fait pogo et le dernier debout il a gagné la carte. Durant la rave. C'est un civil qui est là, de toute façon ça change pas grand chose d'écrire. Il aura peut-être autant d'argent sale que d'autres. Hein. Mais en fait, ils sont peut-être encore en ville, les Albanais. Hein. Pourquoi? Je me demande si c'est pas les Albanais qui auraient tenté de nous choper la carte. Hein. C'est le seul en ville que je connais qui a envie d'avoir ça. Ouais, mais ils auraient attendu 2 semaines que pour une fois, il y a un mec qui y aille. Et pourquoi ça serait maintenant et pas quand on a été vérifié? Ben j'en sais rien, moi. Après, quand on a été vérifié, c'est vrai qu'on était en moto et qu'on a fait on n'avait rien sur nous. Bah ouais, et puis c'était rapide, vous êtes poncé pas arrêté, dis rien. Et ça, du coup, c'était eux qui étaient dans la voiture blanche ou pas? Bah je sais pas, mais ça ressemble à leur style, après ça veut rien dire, tu vois, mais en groupe criminel qui a envie que la cocaïne, y'avait que eux. Par contre, s'ils sont assez cons pour venir nous braquer alors que j'avais dit qu'on allait s'arranger, ils sont cons. Bah écoute, ou alors ils ont missionné des gens pour le faire. Ouais. Après je te dis, ils ont pu missionner quelqu'un, hein. Sans savoir que c'était nous. Bah ils sont mauvais en tout cas. Ouais. Mais après ils avaient juste à attendre de voir si déjà on lançait une production. Hein. Bah, t'aurais su si on avait la carte ou pas. Hein. Ouais. Bon c'est pas grave. En tout cas on sait que c'est la merde, il est cramé, quoi. Ouais je...
pour les camarades, je ferai un vote savoir si on garde le bise ou si on transforme juste chez nous et qu'on arrête de nous casser les couilles, c'est tout. Il y en a encore des camarades? Ta gueule! Bien joué. Moi, je propose une votation pour qu'on passe certains prospects en camarade. Ça sera fait en temps et en heure. C'est quand vous montrez au fur et à mesure de vos actions que vous êtes des grands. Comme le fait que j'ai surveillé la planque et puis que j'ai intervenu pour surveiller. Par exemple. En plus, j'avais que 6 balles dans mon flingue, alors ouais, ça partait mal. Ouais, t'inquiète, pareil. Oui, d'accord. Bon, on fait des braquages? Qui a envie de faire des braquages? Bah, on fait tous un braquage tous ensemble, les copains, ça fait longtemps, les copains. Ouais. Ouais. Adia, t'es là? Oui, t'as dit oui. Ah, pardon, vous m'avez pas entendu, mais oui! Ah, ouais. Ah. Voilà. Que Franck est parti, doit se coucher, ouais. Ok. Ouais. Bonne nuit. Bonne nuit. En vrai, là on peut faire un cambriolage à 4. Bah oui, on fait tous ensemble. On rentre en basse, il y en a un avec une radio à l'extérieur. Non, un qui appelle, un qui appelle, et puis voilà. Et chacun un truc, et puis on se barre. Oui, on fait ça, let's go. Voilà, ça c'est pas mal. J'ai posé ma radio. Ok. J'ai posé ma radio. Du coup, on prend notre radio ou pas? J'ai posé. Non, on va juste un mec qui appelle. Nikita, tu viens avec nous. On prend les radios ou pas? Non, on prend pas. Non, juste un seul qui appelle à l'intérieur. Je pose flag à radio, ouais. Du coup, vous avez redéposé... Non, vous avez du tout... On a tout laissé dans les camions et puis on verra. Non, on a déposé ce qu'on avait dans les speedos et le... Ah. Puis de biche, je suis en train de... Non, je n'ai plus rien. J'en ai plus qu'un. Ah. Mais c'est une personne qui doit avoir une petite biche ou tout le monde? Non, une seule personne pour ouvrir la porte. Et comme vu comment ça coûte cher sa mère... Ok, et on n'a rien besoin. Ta bijou. Ok. Non, attends. Quelqu'un a pris un pied de biche ou pas? Oui. Oui, c'est Anya. Ok. Merde, par contre, s'il y a Billy qui revient. Non, bah, je pense Billy pour Billy, c'est pour ce soir, non? Ouais, je pense que c'est compliqué. Mais ils étaient encore là. Ils étaient. Ils attendaient avec leur bagnole. Je sais pas ce qu'ils attendaient. Je pense qu'ils discutaient de. Ah ouais, ils attendaient. Les mecs. Bah en fait. Attends. Quand tu regardes l'immeuble, tu vois. Il est où l'immeuble? Ils étaient vraiment. T'as le 1 de 10048, tu vois. Vraiment au-dessus du 1. Ils étaient là dans le coin. Et je sais pas ce qu'ils attendaient. Donc quand ils nous ont vu déballer, descendre et sortir les flingues, ils sont décapés. Ah oui, ça ils attendaient, ouais, ils sont partis, c'est pour ça. Sur le coup, je pensais qu'ils étaient encore devant avec Adia, je pensais pas qu'ils étaient dans la bagnole. On va, je vous propose, on va faire celle de Mirror. Nikita, tu remets ton bonnet d'âne déjà. Et ensuite. Sur la moto, je peux pas, ça s'envole, ouais. D'accord. Tu vas faire le guet. Et t'appelleras l'un d'entre nous pendant qu'on braque. Pendant qu'on va dans la maison. Ouais. Avec ouais d'accord. Avec le téléphone. Ouais, je pensais surtout à l'écriture de gay. Comment on écrit gay? Oh ta gueule putain. G-A-I-E. Allez Adia, je te laisse. Arrête. On va juste passer faire le plein. J'ai envie de pisser. Putain, ça faisait longtemps. Ouais, je sais, c'est pour ça. À peine pisser une fois ce soir. Mais vas-y, va pisser.
dit que je veux dire, on met pas de masque ou si on est armé. Il faut en mettre un, parce que comme ça, si tu leur échappes, ils peuvent pas te reconnaître. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est habillé comme toi. Ok. Mais sinon, oui, on nous garde le cuir, hein. On n'est pas de petite. Non, pas le cuir, je parlais juste du masque, moi. Allez, c'est bon, y va. Tu veux placer Nikita, il va se déberder où il va se place, il se place où il veut. Vous allez où? On va dans la goutte là, sur la droite. Ok. Donc tu te places. Putain, mais putain. Oh, quand je te parle, ouais. tu pars pas. Ah, tu me parlais. Oui. Bah. Ok. Tu te places, tu appelles l'un d'entre nous et on te dit quand on tape. Ok. Et par contre là, t'es à peu près quand même. Non, ça va là, non? Hein? Moi je me serais mis juste en dessous. Ouais, bah après c'était mieux. Ouais, comme ça tu vois bien arriver des deux côtés en dessous, non? Bah où du coup? Alors, rac. C'est toi qui as le pied de biche et toi qui vois. Oh putain, me dis pas que... Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est normal. Tu vois? Oui, c'est pas... Ah ok, on peut commencer? Ok. Bon ben... Reste avec lui en ligne. Ouais. Je reste avec lui en ligne. Ici t'arrives? Ici, celle-là, elle est faisable. Les gants ont l'air bien à chier. Pardon. Ok, bah tu vas pas la bien en fait. Truc, s'ils arrivent. Je me suis foutu derrière, on verra si... Vas-y. Attendez deux secondes, je vais juste augmenter ma sonnerie de téléphone parce qu'il va... S'ils m'appellent, ça veut dire qu'ils sont là. Ok. Tu me dis si c'est bon. Volume... C'est bon. En plus. Allez, putain, les cons sont vraiment à chier sur ce truc. Ouais, ça fait floc. J'aime pas ça. Vraiment pourri, hein. En plus, on dirait que tu détruis un sanglier. On dirait que ah, là, je suis en train d'égorger un cerf, hein. Ça, c'est clair et net. Toc, toc, toc. Putain, elle est efficace sous cette porte. T'as vu, hein, elle est un peu molle, hein. Ouais, vraiment particulier. Allez. Je m'occupe de la première. Je m'occupe de la télé. Je m'occupe des placards. J'ai déjà fait là, tu vois pas que je fouille. Ailleurs. Dans la chambre, si tu veux. Tipple. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Parle fort d'ailleurs, petit Paul. Oui, je me suis déjà mis pour parler fort si jamais. C'est pour ça que je parle pas beaucoup aussi, j'écoute, voir si jamais on m'appelle. C'est bon, une jolie bague en diamant de mes. Oh putain, bah ouais, ça sort tout de suite, ouais.
Un collier de perles. Un collier de perles, putain. De 10 trucs d'héroïne, génial. Ouais, un collier de perles. Ah bah nickel. Vous allez donner à Nikita. On en fait une deuxième et je propose que un prospère en place Nikita, on lui file tout ce qu'on a. Oui, oui. Bah tiens, donne à Tipol. Ok. Oh, j'ai 10 héroïnes, c'est de la merde. Oui, bah oui, oui. T'as des lunettes, toi? Bah, oui. C'était pour cacher un peu mon maquillage. Ouais, c'est mieux. Genre, c'est la bague de bébé, hein, tu l'attends pas. Attends, j'ai regardé celles qui sont. On regarde, on reste dans la zone ou on va. Ouais, ouais, vas-y, on reste dans la zone. Bah, va changer avec Tipol. Oui. Oui, oui. Ouais, désolé, des fois j'ai l'impression de lui donner des ordres, c'est pas mon rôle, mais. Non, non, mais c'est bien. J'ai l'impression qu'il bouge pas. C'est bien, tu grandis petit à petit. Ah, je vais faire le tour en moto, parce que là. Putain. Ah! Il y en a une normalement là, je crois. J'ai regardé, je crois pas qu'elle a la petite. Ah si! Attends, la technique du buisson, putain. T'as vu ça? En vrai, j'hésite même à rester sur la moto, je bouge pas. Voir si il m'attrape. Bah t'es beau comme ça. Et merci. T'es pas du tout reconnaissable, ça qui est bien. Ouais, je mets le casque quand même, parce que... J'ai pas remonté sur la moto vite, ouais. Ah, t'as le casque et le... Ah, ok. Ouais, ouais. Mais le problème pour la moto, c'est le chapeau en papier, ça part vite, ouais. Allez. Allez, dernier coup. Allez, allez. Putain, c'est quoi cette baraque? Je sais pas, mais putain, allez. Il s'est pas fait chier au niveau de la déco, hein. Allez, je prends dans les fondations, il y a peut-être quelque chose de bien. Écoute, moi, je scade derrière des embris. Et moi, j'ai trouvé un placard. Dans l'isolation, il y a peut-être un truc bien dans l'isolation, je sais pas. Tu sais, des fois, il y a des mecs qui cachent des trucs, hein. Regarde, ah, regarde, la cour, ouais. C'est là qu'on cache les billets, d'habitude. Par contre, Tipol, il a... Il y a Tipol qui m'appelle, il y a Tipol qui m'appelle. Ah, ok. Ouais. Ah bah, ils arrivent, les flics, ouais. J'ai bientôt fini! Il faut partir. Non, il faut partir. Je sais comment on fait pour partir. Pas suivi. Ah, c'est pas toi, c'est beau. Ouais, mais ils auraient pu, hein. J'étais vraiment pas vite, j'étais tout droit. Désespoir, hein. On peut en faire une autre en attendant. Bah écoute, ouais, après faut peut-être juste changer de quartier, hein, histoire de. Non, comme ça ils reviennent, hein, on sait. Hein. Oui, remarque, mais j'ai vraiment envie de pisser par contre. Bah, va pisser, mais vous êtes où là tous? Là, moi je suis un peu plus loin, je suis au niveau du pont pour aller chez le Comico. Et ils sont où les autres? Je sais pas, il y a un petit port qui vient de me doubler. Ok, dans le pot, ok.
Ouais, Nathan. Ouais, t'es où? On est dans une petite ruelle, je peux t'envoyer la position, on est sur le tard, t'as juste Anya qui fait pipi. Ouais, vas-y, envoie-moi ça, ouais. Ok. Attends, c'est pas grave. Je suis retourné, ouais. j'ai tout pris. Vous avez pris quoi du coup? Et Nikita, il s'est fait choper? Bah sûrement, s'il répond pas. Il nous a pas appelé, j'imagine que oui. Ou bien il est encore sur ce temps. Ouais, il est encore. Mais attends, j'ai récupéré tout ce qu'il y avait dans la maison. Et il y avait quoi dedans? J'ai eu 24 caisses d'armement et une console de jeu. Bah nickel. Parce qu'en fait, je me suis mis sur ma moto, il y a tout le qui est parti, mais j'ai pas bougé de ma moto, tu vois, j'ai pas bougé. Ouais, tu t'es fait choper ou pas? Et du coup, quand ils sont partis, je fais bon bah, je rentre dans la maison. T'as bien fait. Non, nickel. En plus, j'étais con, en fait, j'ai pris tout le quai de biche, j'ai pas fait gaffe. Oh putain! Ah, je l'ai fait une fois, ouais. J'ai pas fait gaffe, je commence à en avoir pris quand j'en ai pris. Nikita s'est pas fait choper, je lui ai envoyé la pause. D'accord. On retourne à. Alors, tout squat en fait. Moi, je vais me coucher, moi déjà. Oh, donc, okay, si vous voulez, vous me donnez ce que vous avez à me donner et comme ça. Je passe dans ma moto. Hésite. Peut-être une fois encore un ou deux, mais après. C'est bon, je vais poser. Attends, mais je te mets dans ta. En fait, je te les mets dans ta gargouille. Hein. T'oublie pas de vider la gargouille. Nikita, il avait rien. Je vais en faire un ou deux. Non, s'il avait les bagues ou je sais pas. Non. Non, ouais, il arrive. Bah non, parce que la deuxième, il a rien pu prendre. C'est moi qui ai pris. Donc il allait pas. Ah oui, et de toute façon, oui, toute la bague et compagnie. On a tout donné à T-Paul. Voilà. T-Paul, t'as tout donné. Oui. Allez, ciao. Donc, ciao. Bonne nuit. Dommage dans la journée, sûrement, oui. Ouais. Ok. Moi, non. Ok, ouais. Ou l'autre, vraiment fin d'après-midi, mais pas sûr. Avant de dormir, c'est. Ouais, avant de dormir, il faudra peut-être qu'on vide. Ah, mais non, on a déjà vidé tous les vannes qu'on avait. Pour non, on va oui, normalement, Franck s'en est chargé avec nous. Non, mais c'est juste histoire qu'on lance durant la nuit une production, parce que déjà qu'on perd 50%, si ça dure 8 heures. Je sais pas. Je pense que ce qu'on va faire, c'est. On va demander aux camarades, je pense qu'ils en pensent. J'aimerais bien voir l'avis du pacifier là-dessus sur la question. Nikita, donne ce que t'as à Nathan, il va aller se coucher. Il a rien. Mais il a même pas un petit truc. T'as rien? Mais non, moi j'ai rien, j'ai pas eu le temps de finir. Ouais. Ok. Bon, bah parfait. Mais ouais, lancez pas tout de suite la production, de toute manière, on a beaucoup de stock. Continuez à récolter, hein, ça s'est jamais perdu. Et n'hésitez pas à vendre, on a beaucoup de stock aussi de cam. Hein. Oui, ok. Ouais. Et les caisses d'armes, on n'oublie pas. Bah, je te défends les 24 là. Oh, c'est bien. Allez, salut. Ouais, merci. Et d'ailleurs. Yeah. On a à peu près 1600 casses, il faudrait voir pour racheter deux gros. Motards, Ouais, il attend 1700 pour pouvoir demander deux flingues à des Eagles. De quoi? Il m'avait dit qu'on on pouvait s'arranger. Bah, je les ai vus, ouais, je pensais que c'était plus compliqué, mais on verra, ouais. Ok, ça marche. Enfin, ça sera à voir avec le pacifier. Ok. Exactement.
Bon, allez. Ça va être... Là, putain, c'est totalement l'inverse qu'il faut faire. Ah. Ça va être l'heure de dormir pour moi. Hop. 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 Du coup, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à la prochaine, salut !